Bonjour tout le monde, le quart d'heure grenoblois étant atteint, je vous propose qu'on entame cette séance par l'appel comme il se doit. Francis Mègevin, Alan Confesson, Ludovic Bustos nous a fait part qu'il nous rejoindrait en cours de séance, Delia Moroté est excusée, Jean Cupagny est excusé, Françoise Gerbier, Bernard Charvet, Madeleine Fazolard a donné pouvoir, Jean-Paul Trovero, Elisabeth Legrand, Marcel Replin, Christophe Ferrari, Jean-Luc Corbet, Jean-Damien Mermiot-Blondin est excusé et a donné pouvoir à Cécile Curté. Cécile Curté. Hop, excusez-moi. Luc Raymond. Présent. Jean-François Gaujour. Evelyne Boulanger est excusée, a donné pouvoir à Jean-Paul Bray. Jean-Paul Bray. Présent. Dominique Flandin-Granger. Présent. Francis Gimbert. Présent. Henri Bayle. Présent. Christophe Borg est excusé, mais j'ai vu Régine Millet dans notre salle. Jean-Claude Perrin. Anne Gérin est excusée. Amandine Germain. Et j'ai vu Benjamin Trocmé parmi nous qui pourra donc délibérer. L'appel étant fait, le quorum étant atteint, je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Secrétaire de séance en la personne de Christophe Ferrari. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Félicitations Christophe pour cette élection. Sur le compte-rendu succès de la séance du 30 janvier, notre dernière séance, est-ce qu'il y a des remarques, des interventions, des oppositions, des abstentions? Compte-rendu adopté à l'unanimité et comme il est d'usage, je vous propose de suspendre la séance pour les 5 minutes de l'Observatoire, observatoire désormais des mobilités de l'aire grenobloise. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement aujourd'hui un point d'information sur l'Observatoire de la sécurité des déplacements ou plus communément appelé l'Observatoire de la sécurité routière. Je rappelle, ça fait plus de 10 ans que la métropole de Grenoble et le SMTC mettent une politique globale en matière de sécurité des déplacements qui a été renforcée dernièrement avec l'adoption du PDU ou encore la mise en œuvre de la démarche de métropole apaisée ou encore l'élaboration du guide métropolitain des espaces publics. Cette volonté s'est traduite dernièrement par la prise en compte exemplaire et innovante des enjeux de sécurité dans les différents projets d'aménagement qui ont été réalisés. Pour améliorer cette sécurité des déplacements, 5 grandes orientations étaient délibérées par la métropole et le SMTC en juin et juillet 2018. Je les rappelle, c'est principalement conforter le rôle de l'observatoire partenarial, deuxièmement, intégrer les enjeux de sécurité des déplacements dans tous les projets, traiter les secteurs accidentogènes, communiquer sur le code de la rue en vue de modifier durablement les comportements ou encore anticiper les nouvelles technologies au service de la sécurité des déplacements. Par ceci, on entend les nouveaux radars, les véhicules autonomes, etc. Toutes ces orientations sont en cours de déclinaison dans un projet de plan d'action. Quelques mots pour proposer. L'Observatoire est animé depuis 2007 par la métropole et le SMTC autour d'une convention partenariale qui a été signée par le président de la métropole du SMTC, mais également le préfet, le procureur de la République et le président du conseil des départementales. Avec pour objectif produire régulièrement des bilans détaillés de l'accidentalité, mais également orienter les axes d'action des politiques de mobilité, cibler et prioriser les aménagements. Donc vous aurez l'occasion, courant 2020, d'avoir en diffusion de commission les différents bilans détaillés qui seront réalisés. Donc des analyses statistiques qui sont réalisées depuis plus de 10 ans, donc les données sont accessibles, voire au-delà, hein. On a 20 ans de données à l'échelle de la métropole grenobloise. Un système d'information très spécifique avait été mis en place sur les bases des bulletins d'analyse des accidents corporels. Donc, c'est les fichiers qui sont saisis par les forces de l'ordre, police et gendarmerie. On dispose également des procès-verbaux anonymisés et d'outils de comptage et de mesure pour réaliser des études plus ponctuelles ou des évaluations sur des aménagements. Cet outil d'aide à la décision, bientôt disponible à l'échelle du SMAG, donc vous le verrez, on sera en mesure de vous fournir des données et des bilans détaillés à cette échelle-là. Quelques exemples d'indicateurs et quelques chiffres clés, c'est notamment la répartition des victimes à l'échelle de la métropole depuis plus de 11 ans. On retiendra que c'est plus de 3 000 victimes, ce qui représente 130 morts,
un coût de plus de 400 millions d'euros, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Je rappelle que le coût estimé, qui prend en compte le coût marchand direct et indirect, c'est le coût d'un tué, c'est plus de 3 millions d'euros. La répartition des victimes sur ces 11 dernières années, on le voit, la part importante, en fait, plus de 40% sur le mode les véhicules particuliers, les VL, et pour 26% des deux roues motorisées. Je rappelle, le risque d'avoir un accident en cyclomotoriste ou en motocyclette, c'est plus de 80 à 180 fois supérieur qu'en voiture. Autre indicateur que vous aurez l'occasion de découvrir, c'est l'évolution annuelle du nombre d'accidents ces dernières années. On le voit depuis 2009, on est sur une relative stabilisation du nombre d'accidents. On retiendra presque 200 accidents annuels. Pourtant, ça a beaucoup baissé sur la période 2000-2009. Et là, on est sur une période de stabilisation. On retiendra également pour les accidents tout mobile la répartition des victimes. C'est de l'ordre d'une dizaine, une vingtaine de tués par an. Ça représente environ 152 à 81 blessés hospitalisés. Autre exemple d'indicateur, c'est bien la localisation de ces accidents. Donc là, on est sur la localisation des accidents tout mode. On voit qu'il y a des zones d'accumulation d'accidents qui ressortent. On le voit, la corrélation avec les axes structurants, les axes à fort trafic, où on a des accumulations d'accidents. Et dans une moindre mesure, les voies de dessert dans les secteurs centraux, voire les dessertes de secteurs périphériques. Autre indicateur, c'est le type de conflit par mode. On se rend compte que 80% des accidents sont liés à des conflits impliquant la voiture. Les conflits entre piétons et cyclistes restent très faibles, de l'ordre de 1,3% des accidents, et les conflits TC-vélo sont très rares, 0,1%. Autre indicateur, donc maintenant à l'échelle du département du Voironnais et du Grésivaudan, on retiendra à l'échelle du Voironnais, c'est de l'ordre d'une cinquantaine d'accidents. Pour 2019, c'était 58 accidents corporels de la circulation. C'était sur le Voironnais 4 tués et une cinquantaine de blessés hospitalisés. On est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur à l'échelle du Grésivaudan. C'était 46 accidents en 2019 et pour 4 tués. Enfin, pour terminer, je rappelle que le nombre d'accidents par habitant, c'est relativement stable à l'intérieur des différents territoires du syndicat mixte de l'aire grenobloise. Pour autant, la baisse de l'accidentalité dans ces territoires était quand même moins rapide que dans d'autres territoires et d'autres métropoles françaises. Sur l'aire grenobloise, et depuis 2010, il y a le nombre de victimes qui a tendance à stagner, une vraie stabilisation en termes d'accidents et de tués. Et la voiture, je le redis, reste le mode de transport enregistrant le plus de victimes. Et la gravité des accidents est relativement stable pour les piétons et les cyclistes. Il y a certaines catégories d'usagers qui sont particulièrement exposées au risque d'accident. Les deux roues motorisées, les cyclistes, les jeunes de 15 à 24 ans et les piétons âgés notamment. Et certains types de voies ou d'aménagements surconcentrent le nombre d'accidents. On le sait, c'est les grandes artères en milieu urbain ou certaines intersections où la largeur de voirie autorise une vitesse élevée. Et enfin, il y a certaines modalités de gestion de carrefour ou de traversée qui peuvent susciter des comportements à risque, notamment lorsque le temps d'attente au feu est trop long, etc. Voilà. J'ai terminé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questionnements ou des interventions ? Un grand remerciement pour cet observatoire, parce que c'est un vrai travail partenarial avec l'ensemble des collectivités et des acteurs de la sécurité routière ou des déplacements et qui va pouvoir désormais s'élargir à l'échelle de notre nouveau ressort territorial, à la fois pour produire une analyse qui puisse objectiver et partager les éléments, et puis pour aiguiller nos politiques publiques, celle de mobilité, celle d'espace public, celle de réglementation et de verbalisation pour toujours accroître l'enjeu de sécurité et de confort, particulièrement sur les trois publics les plus vulnérables face à l'accidentologie. Faut-il le répéter et le relever ? Nos anciens et particulièrement les piétons, les plus jeunes au moment de l'adolescence avec des conduites à risque que nous connaissons, et les deux roues motorisées qui payent très souvent un lourd tribut en termes d'accidentologie. Je propose que nous reprenions la séance formellement par la présentation du premier budget
du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Un budget, je le rappelle, qui se découpe en plusieurs parties, budget principal, budget mobilité urbaine, budget mobilité partagée. Nous en aurons la présentation de l'ensemble pour pouvoir mener un débat plus cohérent. Marcel Raplin. Merci, Monsieur le Président. Donc, premier budget et dernier de la mandature. Bien, comme vous l'avez rappelé, là, conformément à ses statuts, le SMAG est doté d'un budget principal et de deux budgets annexes. Donc, le budget principal regroupe les compétences obligatoires, les deux budgets annexes, un pour la mobilité urbaine et l'autre pour la mobilité partagée. Ces budgets sont structurés en 8 thématiques, tramway, bus, câble, transport en commun, cycle, véhicules partagés, multimodalité, frais généraux. Sur le budget principal, donc, qui comprend les compétences obligatoires plus les charges transversales, donc masse salariale, charge de structure, les territoires, tous les territoires sont concernés. On a des recettes de fonctionnement à hauteur de 122,3 millions d'euros, principalement le versement de la mobilité, donc soit 122,2 millions d'euros, dont 1,1 million au titre des compensations de l'État, et on a une contribution de fonctionnement de 0,1 million d'euros du pays voironnais. Sur les dépenses de fonctionnement, donc 122,2 millions d'euros, alors des charges de personnel pour 5,8 millions d'euros, des charges de structure pour 0,6 millions d'euros, charges de gestion pour 0,1 millions d'euros, actions de planification et promotion pour 0,2 millions d'euros, principalement les enquêtes mobilité, le schéma de mobilité de bassin, promotion des déplacements, et l'essentiel, les subventions d'équilibre au budget annexe pour 115,4 millions d'euros. Il nous reste donc 0,1 million d'euros pour l'autofinancement. Sur les investissements, dépenses d'équipement à hauteur de 679 kg euros, notamment pour les enquêtes mobilité. Et sur cette enquête mobilité, on a une subvention attendue de 589 kg euros et la prise en charge de participation au niveau de la SPL Sagesse. On n'a pas d'encours de dette. Donc ensuite, sur le budget annexe mobilité, donc l'organisation des mobilités urbaines, les territoires concernés sont la métropole et le Grésivaudan, des recettes de fonctionnement à hauteur de 148,4 millions d'euros, dont 30,6 millions d'euros des collectivités. Donc ils se décomposent de la façon suivante, 14,9 millions d'euros pour Grenoble-Alpes-Métropole, 11 millions pour le département et 4,74 millions d'euros de la région pour le compte du Grésivaudan. Les recettes des usagers à hauteur de 0,8 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les 41 millions d'euros qui sont directement perçus par le délégataire, et une subvention d'équilibre à hauteur de 115,8 millions d'euros venant du budget principal. Sur le budget annexe mobilité urbaine, des dépenses de fonctionnement à hauteur de 113 millions d'euros hors la dette, qui se répartissent de la façon suivante, principalement pour l'exploitation du réseau, à hauteur de 100 millions d'euros. Les autres dépenses de fonctionnement pour les transports en commun à hauteur de 6,5 millions. Usage du vélo, 2,4 millions. Multimodalité, 1 million. Et frais généraux, 2,5 millions. Donc, la situation financière de ce budget. Donc, on a une annuité de dette à hauteur de 55,1 millions d'euros, dont 23,3 millions d'euros en dette propre et 31 millions d'euros pour la dette remboursable au titre des sorties d'actifs entre la métropole à part égale et le département.
Donc, ce qui nous donne une épargne brute à hauteur de 20 millions d'euros, qui permet d'équilibrer réglementairement la section de fonctionnement et qui nous permet de dégager une épargne nette de 1,8 million d'euros. Sur 11 000, pardon. C'était pour voir si vous suiviez. Voilà. Si on oublie les 8, on n'équilibre pas. Sur les dépenses d'équipement, 50,2 millions d'euros hors la dette, donc qui se répartissent de la façon suivante. Pour le tram, 11,8 millions d'euros. Réseau bus, 16,1, dont l'acquisition de bus GNV et de bus électriques. 1 million d'euros pour les politiques cyclables, 0,8 millions d'euros pour le câble, et puis des crédits délégués à la CEMITAG pour 5 millions d'euros pour les petits entretiens. Le financement donc, est assuré par l'épargne nette, on l'a dit, à hauteur de 11,84 millions d'euros, des subventions de l'État à hauteur de 4,4 millions d'euros, participation de la métropole à 4,1 millions d'euros, d'où un emprunt d'équilibre de 27,6 millions d'euros. L'encours de la dette en début 2020 est à hauteur de 645 millions d'euros. Je le rappelle pour le département que la dette propre du SMTC est de 656,4 millions d'euros, le reste étant les dettes remboursables au titre des sorties d'actifs. Le taux moyen de la dette se situe à 2,13%. Aucun emprunt risqué sur la charge Gisler, comme vous pouvez le constater sur le graphique. Sur le budget annexe des mobilités partagées, dont la compétence est la suivante, pour la mise en œuvre des usages partagés des véhicules à moteur, les pôles d'échange multimodaux, parking de covoiturage, tous les territoires sont concernés. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à hauteur de 1,36 million d'euros. Donc, contribution du Pays Voironnais à hauteur de 0,7 million d'euros. Subvention d'équilibre venant du budget principal à hauteur de 0,55 millions. Reversement de la métropole et du Grésivaudan. Les recettes des usagers à hauteur principalement au titre des pôles d'échange multimodaux à 0,1 million d'euros qui viennent du Pays Voironnais. Sur les dépenses, elles se montent à 0,8 million d'euros hors la dette, donc qui se répartissent de la façon suivante, covoiturage 453 kg, les pôles d'échange de mobilité plus les P plus R à hauteur de 241 kg, l'autopartage 70 kg et promotion 74 kg. La section de fonctionnement dégage une épargne brute de 0,46 millions d'euros. Après le remboursement du capital de la dette, l'épargne nette se situe à 0,16 millions d'euros. Sur les dépenses d'équipement à hauteur de 5,3 millions d'euros, toujours la dette, donc 4 millions pour les pôles d'échange multimodaux et 1 million d'euros pour les parkings de stationnement P plus R. Sur ce financement, on a des subventions à hauteur de 1,7 million d'euros, l'épargne nette à hauteur de 0,16 millions d'euros, qui nécessite un emprunt d'équilibre à 3 400 millions d'euros. L'encours de la dette est à hauteur de 0,94 millions provenant du Pays Voironnais et une annuité de la dette de 0,36 millions d'euros, dont 0,3 de capital. Donc, ces encours du Pays Voironnais sont des compétences qui ont été transférées au SMAG. Voilà, résumé, nos différents budgets, Monsieur le Président. Et comme vous l'avez dit, le premier et le dernier de la mandature.
Merci, monsieur le conseiller délégué. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Trouvérou. Quelques points de... Je ne comprends pas tout. Page 7 sur le, les recettes de fonctionnement concernant le versement mobilité. Là, j'ai des chiffres, j'arrive pas à... Entre les 122 millions et les 110 millions pour l'année 2020, j'ai besoin de... Enfin, je passe à côté de quelque chose, mais je, comment on corrèle les deux chiffres, quoi. Monsieur Gimbert. Oui, les 110 millions, c'est le 2019, c'est le versement mobilité de la métro, de la métro, et les 122, c'est sur le total métro plus Grésivaudan. Parce que oui, mais on met 122,2, dont 0,10 du Grésivaudan, c'est ça? Alors c'est non. Ça que je comprends pas. Non. C'est Voironnais, là, uniquement le Voironnais. Oui. Donc n'apparaît pas le Grésivaudan. Dans, si. Dans ces 122, il faudrait mettre le. Mais ils y sont. Mais 11 200 000 du Grésivaudan et 111 millions de la métro. Ils sont. Ah oui, mais d'accord, mais comme ils ne sont pas repris dans le texte, c'est ce qui. Voilà. Tout simplement, j'ai la réponse. Et puis, page 12, une question. C'est la répartition des charges par thématique. Donc, on inscrit des frais généraux à hauteur de 2,5 millions, pas de problème. L'instruction de la tarification sociale, c'est quoi exactement? Monsieur Replin. Simplement pour apporter une précision sur le versement en mobilité, hein, je rappelle que pour l'aire de la métropole, le versement en mobilité est situé à hauteur de 2%. Pour le Grésivaudan, 1,1% jusqu'au 1er juillet, qui sera augmenté à 1,3% à partir de cette date. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Quelques éléments, et puis pour répondre aux questionnements. Nous avons une bonne nouvelle et une fragilité. La bonne nouvelle, c'est que nous bénéficions d'un versement mobilité qui est dynamique dans le territoire et que ce versement mobilité a été transféré par les deux intercommunalités qui ont transféré l'intégralité de la compétence mobilité. C'est le cas pour la métropole, c'est le cas pour le Grésivaudan, un versement mobilité qui représente plus de 62% de nos ressources, complétées par la contribution des usagers à hauteur de 21%, puis la contribution des collectivités. C'est une bonne nouvelle, puisque au-delà même de la délibération que nous avons prise dans un comité syndical pour faire évoluer le versement mobilité du Grésivaudan à compter du 1er juillet, nous bénéficions d'une ressource qui est dynamique et qui nous permet d'abonder le déploiement de nouveaux services. Je veux dire aussi combien c'est une fragilité. Nous avons déjà délibéré ici, comme dans de nombreuses autorités de mobilité, sur le risque que fait peser l'État sur la diminution des versements de compensation sur le versement mobilité. Ça a été un débat fort lors du débat sur la loi de finances, un débat régulier. Nous avons à imaginer avec l'État et avec les collectivités, le GART engage ce travail, quels sont les nouveaux modes de financement des mobilités si on veut pouvoir accroître encore l'enjeu de transition des mobilités dans les territoires et dans tous les territoires. Un mot sur la tarification sociale pour répondre à Jean-Paul. Nous avons deux éléments dans ce budget concernant la tarification. Un premier qui est moins visible, mais qui est d'importance et qui donnera lieu d'ailleurs à un vœu dans la suite de nos débats. Celui de pouvoir engager les études tarifaires complémentaires. Le pas qui a été fait sur le titre Grand Grenoble n'est qu'un premier pas et nous voulons, dès le 1er septembre, avoir des propositions tarifaires qui soient plus cohérentes à l'échelle de notre nouveau syndicat. C'est vrai sur le transport public, c'est vrai sur Métro Vélo. Plusieurs délibérations dans ce comité syndical y reviendront. Et donc il s'agit de pouvoir mener ces études complémentaires pour être au rendez-vous de la rentrée des mobilités en septembre. Et sur la tarification solidaire, il s'agit de l'indemnisation que nous versons chaque année
à toutes les communes, tous les centres communaux d'action sociale, toutes les missions locales qui acceptent de réaliser l'instruction de la tarification solidaire pour les publics qui sont plus éloignés. Et donc, annuellement, nous indemnisons évidemment ces sites instructeurs. Je le dis d'autant plus que ces sites instructeurs avaient pris de l'avance sur notre syndicat, puisqu'ils sont déjà à l'échelle de la région grenobloise avant même que nous nous réunissions. Jusqu'à Saint-Marcellin, nous avons des conventions pour pouvoir indemniser les sites instructeurs de la tarification solidaire. Un élément sur les investissements, puisque nous voyons là commencer à apparaître l'approche multimodale qui a guidé les réflexions, les préfigurations du syndicat. On retrouve évidemment l'enjeu de transition énergétique avec 16 millions d'investissements pour de nouveaux bus avec des énergies plus responsables. On retrouve évidemment la rénovation de notre réseau de tramway. Mais on trouve aussi les premiers engagements à la fois sur le vélo avec l'achat de 1000 nouvelles bicyclettes de façon à pouvoir être au rendez-vous du déploiement du service dans les nouveaux territoires et le covoiturage, mais nous y reviendrons longuement lors de ce comité syndical pour que nous puissions enfin accompagner la voiture dans son partage. Sur la première délibération, tous les conseillers sont invités à voter. Il s'agit donc du budget principal. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Deux abstentions? Et donc le budget principal est adopté à l'unanimité. Sur la deuxième délibération, il s'agit du budget annexe concernant les mobilités urbaines. Cette fois-ci, seuls les représentants du Grésivaudan, de la métropole et du département sont invités à délibérer. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Deux. Ce budget est donc adopté à l'unanimité. Troisième délibération, il s'agit du budget annexe concernant les mobilités partagées. Et donc, pour les mobilités partagées, tous les conseillers sont invités à délibérer. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Deux. Deux abstentions. Et donc, ce budget est adopté à l'unanimité. Quatrième délibération, et non des moindres, il s'agit de la participation 2020 des collectivités partenaires. Marcel Replin. Merci. Donc, contribution des collectivités partenaires pour Grenoble-Alpes-Métropole, contribution forfaitaire annuelle à hauteur de 14 920 000 euros. Participation au titre des sorties d'actifs à hauteur de 15 750 000 euros. Participation aux investissements pour 4 101 775 euros, ce qui porte la participation totale de la métropole à 34 771 775 euros. En ce qui concerne le département de l'Isère, même participation au titre des sorties d'actifs, 15 750, contribution forfaitaire 11 millions, ce qui porte la contribution du département à hauteur de 26,750 millions d'euros. La contribution de la région pour le compte du Grésivaudan à hauteur de 4,735 millions 24 euros. Communauté d'agglomération du Grésivaudan, la contribution au budget principal pour 101,600 000 euros. Pivoironnais, pardon, excusez-moi. Je leur en veux, au Pivoironnais. Ensuite, la contribution au fonctionnement versé au titre des budgets annexes mobilité partagée, donc pour 711 476 euros, ce qui est une participation totale de 813 76 euros pour le Pivoironnais. Voilà, il vous est proposé d'approuver ces participations si on veut équilibrer les budgets. Est-ce qu'il y a des interventions? Des oppositions? Des abstentions? Deux. Et donc, participation adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, il s'agit d'un vœu. Est l'issue des travaux lors des commissions du syndicat pour la mise en œuvre d'une simplification tarifaire pour les déplacements
à l'échelle du nouveau ressort territorial. Nous le visons pour le 1er septembre, mais je cède la parole à Francis Gimbert pour nous en faire présentation. Bien, ce vœu vise à étudier pour une mise en place au 1er septembre 2020 d'abonnement sur l'ensemble du ressort territorial sur lequel le syndicat exerce la compétence mobilité urbaine, une tarification attractive qui prend en compte le fait que l'offre de cœur d'agglomération qui est au service de tous et qui est la plus coûteuse fasse référence en termes de tarification. C'est-à-dire que la tarification pour la zone centrale, le périmètre de la métropole, correspondrait à la tarification toute zone, c'est-à-dire sur l'ensemble du ressort territorial, aussi bien l'ancien périmètre métropole que l'ancien périmètre Grésivaudan, tout en laissant la tarification tout go sur le seul Grésivaudan. Pour information, c'est déjà le principe qui est mis en œuvre sur la Proximo 23 à Saint-Martin-du-Riage et qui sera mis en œuvre au 1er septembre sur le prolongement de la C1 à Montbonneau. Alors pourquoi ça? Parce que les deux territoires sont fortement liés. 40% des emplois du Grésivaudan sont occupés par des actifs habitants à l'extérieur, principalement la métropole. C'est entre 10 et 15 000 actifs de la métropole qui vont tous les jours travailler dans le Grésivaudan et encore plus en sens inverse. Ça, c'est pour le déplacement domicile-travail, mais en termes de consommation, en dehors de la consommation alimentaire, la majeure partie de la consommation d'équipements ou de services des habitants du Grésivaudan se font dans la métropole, donc des liens extrêmement forts en termes de déplacement. Et en termes de pollution de l'atmosphère, nous savons très bien ce qu'est l'impact des transports. Nous avons donc des enjeux à la fois sociaux et environnementaux à inciter fortement les habitants et ceux qui travaillent dans ce territoire à utiliser le transport collectif. Et c'est pourquoi il est nécessaire d'offrir une tarification attractive sur ce périmètre. Il faut aussi savoir dans ce contexte qu'à ce jour, le ressort territorial du syndicat en tant qu'autorité organisatrice des mobilités urbaines couvre et le Grésivaudan et la métropole, qu'à ce titre, il est seul compétent en matière de transport scolaire et donc de tarification scolaire, et qu'il faut bien que pour le 1er septembre, nous aurions une tarification à proposer aux jeunes qui vont franchir allègrement les limites, comme ils le font déjà, pour aller au collège de Visille, de Gières, de Mélan, de Domaine, et pour aller au lycée de Mélan, ou au lycée Pablo Neruda, ou au lycée de Visille. Donc, je ne parle pas évidemment des lycées techniques, agricoles, etc., où là, les franchissements sont la règle. Donc, il est impératif que nous ayons des propositions pour le 1er septembre, qui soient en œuvre au 1er septembre, et donc pour les scolaires, qui puissent être déployés dès la fin de l'année scolaire. C'est pourquoi il faut donner mission à nos services de travailler dans ce sens pour une décision au mois de juin. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame Gerbier. Autant pour moi. Vous avez le droit de le dire. Est-ce qu'il y a des interventions? Cette délibération, bien qu'étant un vœu, elle est d'importance. Elle est d'importance et il s'agit que nous puissions en mesurer le pas. Le pas dans le choix du modèle économique de financement des mobilités que nous faisons, et en toute cohérence d'ailleurs avec la délibération que nous avons prise pour faire évoluer le versement mobilité. Faire évoluer le versement mobilité à la fois pour pouvoir déployer de nouveaux services et pour pouvoir avoir une simplification tarifaire pour les usagers qui soit d'ampleur. Il y a quelques années, en septembre 2014, nous avions fait le choix, dans le feu syndicaliste des transports en commun, de faire tomber les barrières tarifaires que vivait le sud grenoblois. Nous étions passés alors de plus de 4 euros le ticket unitaire pour rejoindre Grenoble à 1,60 euro,
considérant que quand nous partageons un même territoire, nous devions partager aussi une même tarification. C'est un haut principe du service public que de faire contribuer chacun équitablement. Et d'arrêter cette situation ubuesque où plus on vit loin et souvent moins on a de services, plus l'on doit payer cher le transport public. C'est le sens de ce vœu. Nous avons fait en septembre 2014 la zone unique à l'échelle de la métropole grenobloise. Nous nous engageons à travers ce vœu à permettre l'élargissement de cette zone au Grésivaudan pour que les habitants, les usagers, les visiteurs du Grésivaudan puissent, avec un titre TAG, bénéficier de l'intégralité du réseau, ainsi faire tomber quelques frontières tarifaires et simplifier les messages. J'ose espérer que nous y arriverons en septembre 2020. D'expérience sur le TER, nous avons mis un an de plus en 2014. J'espère que cette fois-ci, nous y parviendrons en même temps pour que le train soit utilisable, y compris dans le Grésivaudan, au titre d'un euro 60. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Ce vœu est donc adopté à l'unanimité. Délibération suivante, et donc Madame Gerbier, vous avez bien fait de vous préparer. Il s'agit d'une étude de valorisation du potentiel de développement des territoires autour de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap. Alors, nous sommes tous très attachés à cette ligne. La communauté de communes du Trièves, Grenoble Métropole, le SMAG, plaident depuis de nombreuses années en faveur de la préservation de cette desserte. Et tout le monde est satisfait que la première phase puisse enfin aboutir. Donc, desserte entre Grenoble et Gap avec l'objectif de prévenir toute fermeture, mais également toute suspension des circulations et également la réalisation des travaux. Alors, on sait qu'il y a 70 000 véhicules qui rentrent. Le Grand Sud le sait, les communes du Grand Sud, il y a des maires ici présents, savent que 70 000 véhicules pénètrent tous les jours dans la métropole grenobloise depuis cette zone, depuis le Grand Sud, souffrant de congestion récurrente et avec la pollution qui en résulte. Le maintien de cette ligne constitue une armature importante du futur réseau de transport en commun pour le Grand Sud et pour le Trièves, et c'est un enjeu essentiel au regard des enjeux de mobilité et la transition écologique d'aménagement et de cohésion territoriale. Cette ligne, qui existe depuis 1878, a modelé les territoires qu'elle traverse, elle a offert des opportunités de développement, elle a influencé les comportements de mobilité, et elle a renforcé l'accessibilité d'espaces ruraux et de montagne depuis les centres urbains. Elle dessert une grande variété de territoires, assurant des liaisons entre des espaces métropolitains, périurbains, ruraux, au caractère montagnard, plus ou moins marqué. Donc c'est un point important car elle constitue une alternative à la voiture et l'un des supports de la transition écologique et énergétique. Elle possède de nombreux ouvrages d'art et c'est un très beau patrimoine chargé d'histoire. Alors, le comité de pilotage interrégional du 4 décembre a permis de progresser de manière décisive en finalisant le plan de travaux donc pour la première phase de génération de la ligne et la consolidation de la phase de régénération ultérieure à envisager selon SNCF Réseau dès 2024 doit être anticipée. Donc, c'est l'objet de ce rapport, en fait. La première phase de régénération étant désormais actée, nous souhaitons nous préparer et préparer la phase suivante de régénération en développant un projet de territoire autour de la ligne. La pérennisation de cette ligne relève d'un enjeu de mobilité, mais aussi de développement économique et touristique, de services aux populations, de désenclavement pour certains territoires de montagne autour de cette ligne. Il est donc proposé de lancer une étude de valorisation du potentiel des territoires entre Grenoble et Gap en termes de services à la population, d'économie de tourisme, d'intermodalité, dans le cadre d'un partenariat entre la communauté de communes du Trièves, la Grenoble Métropole et le SMAG. Cette étude a ensuite vocation à s'élargir aux collectivités partenaires potentielles sur ce périmètre de la ligne. Donc, la démarche a pour objectif de proposer un programme d'action avec des scénarios d'aménagement des secteurs autour des gares.
deux volets. Une mission d'élaboration d'un programme d'action de développement du potentiel des territoires en termes de services à la population, d'économie, de tourisme, d'intermodalité, etc. Cette mission serait assurée dans le cadre d'un groupement de commandes entre le SMAG, Grenoble-Alpes-Métropole et le Trièvre. Il comprend plusieurs phases, diagnostic, identification des porteurs de projets, propositions d'action, etc. Le montant de cette mission est évalué entre 100 et 130 kg euros. Puis une mission d'étude d'aménagement des secteurs gares entre Pont-de-Claix et Saint-Maurice-en-Trièves qui serait confiée à l'agence d'Urba dans le cadre de son partenariat avec nous. Cette mission comprend une analyse fonctionnelle et patrimoniale des gares et de leurs abords, l'élaboration de scénarios programmatiques des schémas d'aménagement des espaces environnants et qui prend en compte les enjeux d'intermodalité. Donc, le comité de pilotage restreint sera créé pour le suivi de l'étude, composé des présidents du SMAC, de Grenoble-Alpes-Métropole et de la communauté de communes du Trièvre ou de leurs représentants. Un comité partenarial sera créé selon une composition qui pourra être élargie autant que de besoin. À minima, les maires des communes, les élus régionaux, départementaux, les représentants de l'État, de SNCF Réseau, le collectif pour l'étoile de Veynes et l'association CIPRA France. Le pilotage de l'étude sera confié à un copil comprenant le SMAG, Grenoble-Alpes Métropole, le Trièvre. Il sera proposé aux partenaires de participer à un copil élargi, donc pour les autres. Le financement de l'étude par le SMAG, Grenoble-Alpes Métropole et la communauté de communes du Trièvre est envisagé selon la répartition suivante. Financement par le Trièvre, 10 000 euros maximum. Le solde réparti à parité entre le SMAG et la métropole. Et un financement sera recherché auprès du commissariat général à l'égalité des territoires, commissariat de Massif. Il nous est donc proposé de valider le principe de lancement d'une étude de valorisation du potentiel autour de la ligne Grenoble-Gap par le Trièvre, le SMAC et la métropole. Merci, Madame Gerbier. Est-ce qu'il y a des interventions ? Vous savez, chers collègues, les travaux, les premiers travaux de régénération de la ligne commenceront à partir du mois de mai de cette année. Et ils seront longs, plus de 2 ans de travaux, avec l'effort que ça fera porter sur les usagers, avec une suspension de la ligne que malheureusement, nous ne pouvons pas éviter parce que le temps qui a été perdu il y a quelques années a tenté de convaincre l'ensemble des partenaires de régénérer cette ligne ne peut malheureusement pas se rattraper. C'est néanmoins une grande satisfaction et une grande victoire pour l'ensemble du territoire que d'avoir réussi à convaincre de la régénération de cette ligne. Et à travers cette délibération, ce que nous souhaitons, c'est de préparer déjà l'étape suivante pour que nous ne reperdions pas le temps qui a été perdu dans le passé. Travailler l'étape suivante, puisque à l'automne 2022, cette ligne se réouvrira sur l'intégralité de son parcours. Et il s'agit qu'en 2022, nous soyons non seulement en mesure de mettre en place un schéma de mobilité autour de la ligne ferroviaire, pour que la régénération de la ligne soit une façon de la faire revivre et d'accroître la liberté de déplacement dans le territoire. C'est aussi une étude qui doit nous permettre d'être en situation plus favorable dans les discussions avec l'État pour prévoir la deuxième phase de régénération de la ligne qui se posera nécessairement entre 2022 et 2026. Je crois que nous montrons là aussi combien le syndicat que nous avons créé au 1er janvier est déjà porté vers les territoires voisins. C'est un signe fort que nous puissions d'ores et déjà nous engager, y compris financièrement, à porter avec la métropole et avec le Trièvre les enjeux de mobilité du Trièvre, de ses habitants comme de ses visiteurs, pour les années à venir. Nous ouvrons là une porte pour une étape supplémentaire du syndicat vers les 7 intercommunalités voisines que nous estimons être du bassin. Avant de mettre la délibération aux voix, je dois vous proposer un amendement à la délibération. Le représentant du commissariat de Massif nous a saisi pour nous demander de pouvoir être
membre du comité de pilotage. Commissariat de Massif, qui est le représentant du commissariat général à l'égalité des territoires. Je crois que nous devons là y voir plutôt un signe de solidité potentielle du partenariat. Et donc je vous propose, dans le mec de la délibération, de préciser que le commissariat de Massif sera associé au comité de pilotage, au même titre que les autres partenaires que nous citions. Est-ce que sur cet amendement, il y a des oppositions ? Des abstentions ? Et sur la délibération ainsi amendée, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je rappelle, excusez-moi, que l'ensemble des conseillers sont invités à délibérer. Donc je reprends la procédure de vote, cette spécificité ayant été indiquée. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Et donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, il s'agit d'un avenant à l'agence d'urbanisme, à la convention pardon, avec l'agence d'urbanisme de la région Grenoble. Vous savez, chers collègues, nous avons pris quelques décisions récemment, dont celle sur l'étude Grenoble Gap, qui nécessite que nous puissions compléter le programme d'action de la convention avec l'agence d'urbanisme sur quatre éléments. Le premier concerne évidemment l'étude sur la ligne Grenoble-Gap que nous venons de délibérer. Le second enjeu concerne le fait de pouvoir mobiliser l'agence d'urbanisme de la région grenobloise sur la préparation de l'élargissement du syndicat mixte des mobilités aux territoires voisins. Nous avons eu l'occasion récemment d'un échange avec la communauté de communes de Loisan, où l'agence d'urbanisme a pu nous accompagner pour préfigurer le partenariat avec Loisan à l'avenir. Il s'agit de pouvoir la mobiliser dans les échanges avec l'ensemble des intercommunalités voisines. Le schéma multimodal de bassin sur lequel nous nous sommes engagés et le fait de compléter les études en lien avec Grenoble-Alpes Métropole sur la mise en place d'une zone à faible émission concernant les véhicules légers et de pouvoir mesurer pleinement quels sont les services de mobilité qui sont nécessaires à mettre en place de façon à rendre réalisable une zone à faible émission pour les véhicules de particuliers. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Deux abstentions. La délibération est ainsi adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, monsieur pardon, Jean-Paul Bray. Là, tout le monde ne participe pas au vote. Hein. Pardon. Sur la précédente délibération. Sur la précédente ? Oui. Sur l'agence urbaine de la région grenobloise. Oui. Tous les conseillers du SMAC sont invités à voter, mais certains... Sauf, oui. Certains n'ont pas pris part au vote, je peux les citer. Voilà. Jean-Paul Bray, Luc Raymond, François Gerbier et Henri Bayle n'ont pas pris part au vote étant administrateurs de l'agence d'urbanisme. Merci. Et bien, la parole alors, reste à Jean-Paul Bray pour oui. La présentation du service public de covoiturage. Bien, alors c'est plus un scoop. Hein. Je crois que tout le monde sait maintenant qu'au 1er juillet 2020, va être mis en place sur l'autoroute A48, donc entre la barrière de péage de Voreppe et la bifurcation avec A480 et la RN481, donc une voie dédiée aux covoitureurs, notamment aux covoitureurs, vous ne savez pas que, qui s'appelle VR2+, voilà un sigle qu'il va falloir eh oui, mémoriser, qui sera la voie de gauche. La voie de gauche pour que cette voie n'ait pas à subir de cisaillement et qui sera activée en fait qu'en cas de congestion. Donc elle ne sera pas constamment activée. Donc c'est bien sûr une opportunité majeure pour développer massivement le covoiturage. Et on pense qu'il s'agit là de mettre en place un service de covoiturage de haut niveau entre les principales origines et destinations concernées par cette voie réservée sous forme de lignes. Donc vous savez que pour ça, il fallait un prestataire et donc nous avons lancé un marché pour mettre en place et exploiter ce service. Et il va s'agir bien sûr de convaincre les automobilistes de devenir covoitureurs, notamment en tant que passagers. Alors, le service de covoiturage va s'appuyer sur des points d'arrêt équipés de mobilier numérique ou statique. Et donc des lignes de covoiturage relieront ces points d'arrêt dans les deux sens. Un outil numérique interfacé au pass mobilité, permettant d'utiliser le service alors, avec ou sans smartphone, mais il faudra toujours un téléphone.
Un cadencement de l'offre de trajet de très bon niveau en heure de pointe du matin et en heure de pointe du soir. On n'a pas défini encore la plage, permettant un départ de 15 minutes maximum. Une garantie de départ au bout de 15 minutes d'attente. Une passation financière au trajet par le SMAG. Et une animation de ce dispositif par le prestataire pour le faire connaître, le faire tester et convaincre. Pour inciter les utilisateurs en amont pendant leur trajet et animer la communauté d'utilisateurs. Alors, le marché ne comprend pas l'aménagement de voiries, des points d'arrêt qui font l'objet donc d'autres marchés à la charge du syndicat. Voilà, donc nous n'avons eu qu'une seule réponse à notre appel d'offres, hein, c'était ECOV, bon, qui est par ailleurs bien connu. Et donc, il est proposé de lui confier le marché, alors avec un montant minimal de 200 000 euros hors taxe et un montant maximal d'un million d'euros hors taxe. Monsieur Raymond. Oui, je voudrais rajouter à ce qu'a dit Jean-Paul que le covoiturage, si on veut que ça soit un succès dans l'avenir, c'est il y a la voie, c'est ce qu'on va faire. Il y a l'outil et l'accompagnement, c'est l'objet des deux délibérations. Mais un troisième élan, c'est d'avoir des parkings où les covoitureurs puissent se retrouver et poser leur voiture. Et donc ce troisième volet, je pense qu'il est important qu'on le travaille dans les meilleurs délais. Bon, le Pays Voironnais avait déjà un peu travaillé là-dessus avant et on a transféré d'ailleurs au SMAG la réalisation, l'extension du parking de Rive, Bièvre Dauphine. Mais on a eu des contacts avec AREA qui a pendant 2 ans des capacités financières à aider la création de parkings de covoiturage sur les entrées d'autoroute. Donc on les a rencontrés, notamment il y a des endroits qui avaient déjà été repérés, hein, ce n'est pas un scoop de les annoncer, mais au niveau de Centralp sur le péage de Mauvernay, au niveau de Voreppe, au péage de Voreppe, où il y a des espaces AREA, notamment, qui sont disponibles et sur lesquels peuvent être aménagés, sachant que le péage de Voreppe aura une fonctionnalité covoiturage, mais aussi bus, puisqu'il y a beaucoup de lignes express qui arrive de l'autoroute à cet endroit-là, qui peut être un point d'entrée sur l'agglo, mais aussi sur d'autres secteurs qui peuvent être Tulin, donc plus ou moins important, bien sûr. Mais c'est bon, il faut qu'on travaille très vite, parce qu'AREA a à peu près pendant deux ans, des capacités financières significatives pour inciter et aider. Donc il faut qu'on entre très vite dans les discussions, donc on les a rencontrés, mais maintenant dans le concret, de façon à ce qu'on bénéficie, entre guillemets, de ce soutien financier qui sera intéressant si on veut réaliser dans les délais raisonnables et en tout cas accompagner la mise en place de la VR2+. Monsieur Trocnet. Merci, monsieur le président. Avant d'aller vraiment sur le fond de la délib, remarque d'ordre général. On a un ordre du jour qui était très chargé. On s'attendait à avoir des débats un petit peu fournis. J'ai l'impression que depuis une heure, ça ronronne un peu. Alors, ce n'est pas un regret, c'est tout de même un constat. Ça semble très fluide et je pense qu'on peut tout à fait s'en féliciter. Ça veut dire que tout le monde travaille en bonne intelligence. C'est aussi bien préparé par les services. Et en ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment féliciter tout le monde. Mais c'est vrai que parfois, d'avoir un petit peu de débat, ça nous permet de prendre aussi conscience à quel point les dossiers que nous votons aujourd'hui sont d'intérêt et sont vraiment, on va dire, une avancée majeure pour le territoire, de confronter des points de vue. Et je voulais souligner qu'on a eu tout à l'heure la délib sur la tarification unique, sur le vœu sur la tarification unique entre les Grésivaudan et la métro, c'est vraiment une avancée majeure, et je pense que tout le monde peut s'en féliciter, mais il faut vraiment qu'on en ait conscience, et ça sera dès le 1er septembre 2020, si tout se passe bien. Donc c'est une vraie avancée pour toutes les personnes qui sont dans la branche nord-est. Et là, sur la branche nord-ouest, on a également une avancée qui nous semble majeure avec cette voie de covoiturage que personne n'attendait il y a 2 ou 3 ans, qu'on va également aussi avoir dès l'été et qui va nous permettre aussi de mieux circuler dans la branche nord-ouest. Et donc, en fait, tous ces deux dossiers-là qui semblent couler de source aujourd'hui, il faut vraiment en avoir conscience et en fait, ça donne vraiment une justification totale
au grand syndicat tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il a été pensé. Et je pense qu'il faut vraiment que tout le monde en ait conscience et le dire. Alors voilà, ça se passe bien, on en est très heureux. Mais je pense que parfois, peut-être qu'un petit peu de débat, ça permet de mieux mettre en exergue les différents projets politiques que certains peuvent poser. Visiblement, ce n'est pas le souhait, mais bon, on peut que tout de même être heureux que les usagers soient gagnants au final. Merci. Monsieur Jumbert. Je veux là-dessus, effectivement, je pense que le caractère concis de nos débats, je veux dire, résulte du fait que du chemin a été parcouru. Du chemin a été parcouru dans la prise de conscience par les collectivités de ce que sont les enjeux en la matière. Ces enjeux qui se traduisent par cette voie de covoiturage, mais aussi par d'autres services qui vont être mis en œuvre sur d'autres parties du territoire, même sans voie dédiée. Et cette prise de conscience, je dois avouer qu'elle n'était pas attendue il y a quelques années. Dans le Grésivaudan, quand on a eu notre réunion de préparation du débat d'orientation budgétaire avec l'ensemble des conseillers communautaires, je dois avouer que les éléments qui sont venus en débat ne sont pas ceux que nous aurions pu attendre il y a 6 ans ou même 5 ans pour reprendre le début du mandat et pas la fin du précédent, avec les mêmes personnes. Parce qu'il y a une prise de conscience qui est très largement partagée, et je veux témoigner ici que les élus de montagne sont très conscients des enjeux. Ils en voient les réalités concrètes sur l'état de la forêt et donc la ressource des communes forestières, sur l'état, la fragilité de l'exploitation des stations de ski, même si la saison est plutôt bien engagée, mais on en voit toutes les fragilités. Et la prise de conscience aujourd'hui est très large, très globale parmi les décideurs. Et il faut s'en féliciter. Que cette prise de conscience soit sortie de milieux militants. Mais par rapport au covoiturage, pour revenir à ce sujet, le grand enjeu, ce n'est plus de convaincre les élus qui décident, mais de convaincre les personnes qui se déplacent que l'utilisation de solutions alternatives à la voiture solitaire sont à leur disposition, sont performantes, et qu'il est de leur devoir de participer à l'effort global. Monsieur Ferrari. Je ne prends pas la parole pour faire plaisir à Benjamin Trocmé de façon à faire un peu plus de débat. Il y a une constante en politique, quelle qu'elle soit, c'est qu'un biscuit avalé a vite plus de goût. Et en l'espèce... Il y a des décennies, on parlait de grands syndicats comme étant finalement une forme d'Eldorado à atteindre, d'objectifs communs, de Graal. Il est là. Et effectivement, il est pour certains, et la période s'y prête d'ailleurs, utile d'une certaine façon de démonétiser, ou en tout cas de rendre la chose finalement quelconque. Et elle ne l'est pas. Et c'est le cas aussi sur la question du covoiturage. Après, soyons clairs, je me rappelle 2014, les débats sur la question Rondeau à 480. D'ailleurs, c'était même la séance d'installation du Conseil métropolitain à l'époque. On nous disait que ce sujet était inatteignable, permettre de réaliser ces grands travaux, que nous étions embourbés dans une espèce d'histoire collective qui faisait que la spirale de l'échec... était permanente sur ces sujets, on n'y arrivait jamais. Finalement, ce fut le cas, ce qui permet d'ouvrir aujourd'hui cette VR de plus et d'avoir cette expérimentation. Donc nous voyons que collectivement, mais que ce soit Voironnais, Grésivaudan ou Métropole, nous avons largement collectivement contribué. Et je voudrais rajouter en cela les conseils de développement des différents territoires qui nous ont là aussi... tout simplement, je dirais, aiguillonnés, qui nous ont parfois poussés, tout simplement, à être au rendez-vous. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit fleurir, dans les médias, les réseaux sociaux, vous savez, il y a beaucoup de marronniers
des classements des villes les plus congestionnées, etc. etc. Bon, Paris, ce n'est pas fait en 7 jours. Grenoble, et en tout cas, la fluidité automobile ne se fera pas non plus en 3. Et c'est vrai qu'on essaye de noyer en ce moment, dans tous ces débats, finalement, un certain nombre d'avancées qui ont eu lieu sur ce territoire, encore une fois, de la part de nous tous collectivement. Il faut se le dire tranquillement. Moi, je pense que cette question du covoiturage et des outils qui sont mis à disposition et ce qui est présenté aujourd'hui est assez majeur, sera une aide précieuse. Et encore une fois, ayons juste un élément de modestie, les élus que nous sommes. Nos concitoyens vont plus vite que nous sur beaucoup de sujets. Donc moi, j'ai peu de crainte pour que l'outil puisse être pleinement utilisé demain par nos concitoyens. On est parfois étonné à quel point les transitions sont plus rapides dans la tête des gens qu'elles ne peuvent l'être dans tous les élus, même les plus militants. Donc c'est pour dire que là, finalement, sur ce sujet-là, je pense que ça intéressera beaucoup aussi les entreprises qui ont à amener, tout simplement, qui font les allées et venues, notamment côté Voironnais jusqu'à la métropole, ou inversement, tout simplement permettant, encore une fois, d'aller plus vite le matin et d'être pas forcément congestionné. Donc nous voyons, et, vous, et Benjamin a raison, de dire que finalement, c'est pas simplement du débat, mais en tout cas de rappeler des choses. Rappeler des choses sur un certain nombre d'avancées qui ont pu être ainsi obtenues pendant cette séquence-là. Après, rappelons-nous aussi que les trois territoires qui sont ici avaient là aussi posé un élément de calendrier de travail. La question des mobilités en était une notamment. Donc finalement, ce que nous avions dit, nous l'avons fait. Et ça, c'est un sujet aussi qui doit être tout simplement posé à un moment donné où certains peuvent être amenés à faire un certain nombre de bilans. Moi, je voulais tout simplement apporter cette contribution-là collective. Elle n'est pas d'un territoire, elle est de l'ensemble des territoires. Et ce que nous proposons aujourd'hui est aussi tout simplement une invitation à l'ensemble des autres territoires de montrer que finalement, ce que nous avons créé ensemble est de nature tout simplement à voir demain d'autres territoires entrer dans cette dynamique-là. Et c'était cela aussi l'enjeu qui nous était posé. Monsieur Confesson. Non mais moi je suis d'accord avec Benjamin Trocmé, mais mes chers collègues, disons-nous vraiment quelle est la clé du problème. C'est que Jean-Claude Perrin nous manque ici, en fait. Voilà. Nous avons la nostalgie de ces joutes interminables entre Jean-Claude Perrin et le président Mongaburu. Voilà. Là au moins il y avait du débat, c'était clair, quoi. Et donc je m'adresse solennellement au conseil départemental aujourd'hui. Revenez dans le syndicat, rendez-nous Jean-Claude Perrin pour que nous puissions retrouver des débats animés, tranchés, qui puissent nous occuper et nous distraire pendant ces comités syndicaux. Je vous remercie. Madame Curté. Alors je ne vais pas remplacer Jean-Claude Perrin, hein, mais je vais quand même animer le débat avec une petite question, parce que c'est vrai que le covoiturage, c'est super, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, je me pose la question, j'ai assez foi en l'humanité, mais je pense que certains petits malins prendront cette voie de covoiturage qui n'y sont pas autorisés. Je voulais savoir comment on fait pour contrôler sur la voie de gauche que les gens sont bien en effet en covoiturage. Madame Gerbier. Moi, j'aime bien dire, et je l'ai dit souvent à propos du tramway, quand c'est confortable, tout autant que sa voiture, plus rapide et moins cher, on prend les transports en commun. On a l'exemple du TGV pour aller à Paris, on a l'exemple du tramway à Grenoble, quand même. Alors, on peut espérer que dans le covoiturage, on n'aura pas le sketch de la... je ne sais plus qui faisait ce sketch de la deux chevaux. Ou de l'autostoppeur. Donc les voitures sont quand même assez confortables et les gens se parlent. Dans le covoiturage, c'est aussi un élément important. Les gens se rencontrent. Je suis assez souvent dans les embouteillages. J'ai fait longtemps, pendant 12 ans, Lyon-Grenoble le vendredi soir. Et c'est vrai que si j'avais eu à ma gauche
une voie où les gens étaient deux ou trois ou quatre dans leur voiture et qui doublait tout le monde, finalement, j'aurais certainement réfléchi à deux fois. C'est ce qu'on espère. Hein. C'est que, en fait, les gens vont finalement presque être obligés de dire si je fais du covoiturage, j'évite les embouteillages. Après, s'il y en a trop, ça va aussi embouteiller. Mais on essaiera de mettre une autre voie. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est ce que j'espère qu'on va avancer sur le Grand Sud. On a parlé du Grand Sud dans le rapport précédent avec le rail. Mais c'est vrai que sur le Grand Sud, on pourrait avoir la même voie. Voilà. Et on a travaillé, les services, les études ont montré que la voie de gauche était pertinente. C'était pas évident au départ. Donc, j'imagine qu'un jour, je serai sur la voie de gauche avec deux ou trois personnes dans ma voiture et que je pourrai faire un grand sourire à ceux qui sont dans les embouteillages dans les deux autres voies de droite. Merci. Monsieur Raymond. Oui, pour redire deux choses. D'abord, le covoiturage, aujourd'hui, on en voit une certaine concrétisation, mais ça quand même un travail, je rappelle, parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé publiquement à l'époque, la commission mobilité du SCOT a travaillé sur ce dossier. Je remercie Yann Montgaberu et Jean-Claude Perrin, parce qu'il y a participé aussi. Ce qu'on a travaillé quand même sur un ensemble d'années, sur un ensemble d'éléments là-dessus, qui a permis, d'acculturer un certain nombre d'élus sur cette question, et qui, je pense, aujourd'hui, ce travail n'a pas été inutile, même s'il n'a pas été très public, pour qu'aujourd'hui, on aboutisse à cela. Alors, autre chose, je voudrais quand même, enfin, ça n'a peut-être pas été dit, je rappelle que dans la VR de plus, AREA est quand même un partenaire très important, ça n'a pas été dit, c'est quand même AREA qui va faire les investissements, hein, quand même, il faut le dire, et leur rendre à César ce qui est à César, là-dessus. Et par rapport au contrôle, donc, il y a aujourd'hui, enfin, AREA est en phase de test, je crois que c'est autour de Mâcon, justement, pour tester des systèmes de contrôle aujourd'hui qui s'améliorent, se fiabilisent. Donc, il y aura les moyens techniques demain de contrôler le nombre de personnes dans une voiture. Donc, on saura s'il y a deux personnes, une personne et un chien, une personne et une poupée, tout ce que vous voulez. Mais ça sera le moyen de contrôler et éventuellement, à un moment, s'il y a des abus, bien sûr, de verbaliser les gens qui utiliseraient de façon anormale cette voie. Monsieur Bray. Oui, c'est ce que je voulais dire en réponse, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt aujourd'hui pour faire ce contrôle, on ne va pas le dire trop fort quand même, et il est bien évident qu'un contrôle sera nécessaire, et c'est vrai qu'il y aura aussi des taxis qui pourront circuler même quand ils n'auront pas de clients, donc on voit bien que voilà, ça ne va pas être aussi simple qu'il pourrait le paraître. Il y a d'autres interventions ? Quelques mots, parce qu'effectivement, je pense que avant le vote, il faut que nous prenions la mesure du pas. La mesure du pas et du chemin parcouru. Et dans ce chemin parcouru, moi, je veux saluer particulièrement deux partenaires de jeu, sans qui nous ne serions peut-être pas en train de délibérer sur cette voie. Françoise Gerbier, qui pendant 6 ans, inlassablement, a participé et monté les je ne sais plus combien d'expérimentations de covoiturage dans tous les territoires, y compris les territoires non métropolitains, sur lesquels le syndicat SMTC investissait pour que des expérimentations puissent être menées. Et le deuxième partenaire de jeu, mais il a fait son coming out lui-même, Luc Raymond, grâce à qui nous avons pu signer une charte pour le développement du covoiturage, sur laquelle nous nous sommes engagés. J'ai une habitude, c'est de tenir nos engagements, ce que nous prenons collectivement. Ça a été dit par les uns et les autres, il y a quelques années, quand on parlait de covoiturage, il fallait convaincre, y compris les autoroutiers.
quelques années, quand on parlait de covoiturage, certains trouvaient que c'était une idée folle. Je me rappelle de ma première rencontre avec Area, au tout début de nos débats. Première rencontre avec Area, à qui j'ai fait état du nombre de voies dédiées au covoiturage qu'il existait partout dans le monde, en commençant par mon pays d'origine, les États-Unis, en finissant par le Maroc, dont je revenais à l'issue d'une conférence pour le climat, et en indiquant à Area que le meilleur exploitant de voies dédiées au covoiturage en France était l'une de leurs filiales. Et les yeux se sont ouverts, ou en tout cas les oreilles, pour se dire qu'il y avait peut-être d'autres façons de penser les aménagements autoroutiers et leur utilisation que tel que ça se faisait dans le passé, dans notre territoire ou ailleurs, et que le report modal vers le covoiturage était l'une des pistes sur lesquelles nous pouvions travailler ensemble. Je repasse toutes les étapes sur les protocoles faits, défaits, amendés dans tous les sens. Sur est-ce qu'il vaut mieux être à droite ou à gauche? Évidemment, toujours à gauche. Il a fallu beaucoup de temps. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais je crois qu'on peut avoir une fierté collective. Très, très collective. Très collective parce qu'avant d'arriver à cette délibération, il a fallu convaincre dans les territoires, il a fallu convaincre les autoroutiers, il a fallu, petit sujet, changer la loi. Il a fallu trouver l'ensemble des partenaires pour réaliser. Il a fallu que chacun accepte de faire un pas du chemin vers l'autre pour y parvenir. Nous avions dit que la création du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, c'était aussi l'engagement à ce qu'il y ait un véritable service public du covoiturage. Eh bien, nous y sommes. Parce que ça a été dit par les uns et les autres, c'est un travail qui engage tous. Area s'engage à réaliser l'infrastructure. Et tant mieux, la transformation d'une voie pour en faire une voie de covoiturage, notre responsabilité, et c'est l'un des fondamentaux de la constitution de ce syndicat, c'est qu'il ne s'agit pas seulement qu'il y ait une infrastructure, il s'agit de permettre à tous nos concitoyens de trouver un partenaire de covoiturage, d'avoir un véritable service public, comme on peut l'imaginer pour la bicyclette ou pour le transport public, qui permettent d'avoir une garantie de départ, une garantie retour, si on ne trouve pas un partenaire de covoiturage, d'être indemnisé, d'avoir une solution de stationnement, d'avoir du mobilier qui permette de trouver et d'être accessible, y compris au-delà de la fracture numérique. Cette délibération, en fait, c'est la substance de la création du service public du covoiturage dans notre territoire. La substance de la création de ce service public et, si vous me permettez, probablement le début d'une nouvelle histoire, celle où on pourra considérer que la voiture peut aussi être un outil de transport collectif. Que ces merveilleux outils conçus pour 4 à 5 personnes ne sont pas condamnés à transporter une seule personne. Que nous pouvons remettre de la valeur et de la notion du partage, y compris dans la voiture. Je crois que c'est ce petit pas que nous faisons avec une modeste ambition. C'est celle d'essayer d'être au rendez-vous en termes de service au moment où la réglementation changera. Le 1er juillet, l'infrastructure sera créée, la réglementation et le contrôle sera effectif. Il ne s'agit pas seulement d'une infrastructure, il ne s'agit pas seulement de réglementation ou de contrôle, il s'agit de donner tous les outils et le service public pour que chacun puisse trouver son partenaire. Petit clin d'œil, la délibération suivante, mais qui est en lien avec la première, elle fait de notre syndicat un syndicat qui va indemniser
les automobilistes qui acceptent de partager leur véhicule. C'est une petite révolution. J'espère juste qu'elle contribuera à ce qu'on puisse aller plus vite, plus loin, y compris dans d'autres branches de l'agglomération grenobloise. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Deux abstentions, et donc la délibération est adoptée à l'unanimité. On vient désormais sur la tarification. On peut la réafficher peut-être, Monsieur Bray. Oui, alors le précédent marché qu'on vient de voter, vous l'avez vu, est un marché à bons de commande, avec une fourchette très large, hein, de 200 000 euros à 1 million. Nous n'avons pas le droit de ne pas réussir, donc il faut qu'on s'en donne les moyens, et en même temps, évidemment, on sera vigilant à ne pas dépenser au-delà de ce qui est nécessaire. Mais c'est vrai qu'on est prudent, parce que malgré tout, on est en France et qu'on est dans notre agglomération et que ça reste expérimental. Alors, la tarification, donc, il faut quand même rappeler que c'est un service qui n'est pas onéreux, mais que le principe est qu'il y a un partage de frais, donc lié au déplacement, un déplacement que le conducteur fait dans le cadre de son propre besoin. Alors, ce qu'on va vous proposer là, c'est que pour 2020, eh bien, nous soyons complètement dérogatoires à ce système-là. Et en fait, cette délibération-là, elle concerne également un service sur le Grésivaudan, sur le secteur du Grésivaudan, alors qu'il ne sera pas tout à fait comparable, évidemment, à celui qu'on vient d'évoquer. Et là, c'est vrai que le Grésivaudan avait déjà pris les devants et qu'il avait prévu donc qu'à partir de mars-avril, il y ait un service de covoiturage donc, sur leur branche. Et ils avaient d'ailleurs voté un tarif, hein, qui était la gratuité pendant 6 mois, puis un tarif égal au montant du ticket de bus to go, donc 1 euro. Et pour les conducteurs, une indemnisation à hauteur de ce même montant. Alors, nous pensons que dans l'avenir, il faudra que ce service soit gratuit pour les abonnés donc, d'un autre service public de mobilité, hein, transport ou vélo. Mais donc, ça nous demande quand même un temps de préparation. Et donc, nous proposons en fait de généraliser la gratuité du service jusqu'au 1er janvier 2021. C'est là que rentrera donc en vigueur la gratuité pour les abonnés à notre service public, et c'est là que rentrera en application un tarif pour le système, hein, normal de dédommagement. Alors donc, pendant cette année 2020, nous allons donc dédommager les conducteurs, hein, donc à hauteur de 2 euros maximum par passager. Alors là aussi, c'est un maximum. Ça veut dire que, bon, si on peut réduire cette allocation parce que le service aura du succès, mais ça, c'est notre prestataire aussi qui va nous aider à voir s'il faut, si on peut se permettre de réduire cette allocation de 2 euros. Et puis, on va également indemniser les conducteurs, et Yann vient de le dire, qui seront à vide avec 1 euro maximum, là aussi 1 euro maximum, qui sera donc ajusté selon l'attractivité qu'aura notre service. Voilà, et donc, comme je l'ai dit, on engage également cette étude pour la tarification à partir de 1er janvier 2021. Alors, on annonce un chiffre d'incidence financière de 15 000 euros, je ne le garantis pas du tout. Il est très, très, très estimatif. Bon, voilà. Donc, effectivement, que plus on aura du succès, plus cette incidence-là sera élevée. Donc, alors, voilà. Il faudra se dire que si on dépasse ce chiffre-là, ce sera plutôt bon signe. Et on souhaite qu'on en ait. Est-ce qu'il y a des interventions?
Pas d'intervention. Des oppositions. Des abstentions. Délibération adoptée à l'unanimité et donc gratuité pour le covoiturage pour l'année 2020 avant une tarification qui se spécifiera en 2021 pour qu'on réussisse ce lancement du service public de covoiturage. Délibération suivante, non des moindres, Madame Legrand, après quelques années de travail à bas bruit, nous arrivons à maturité pour pouvoir attribuer le marché global de performance et garantir ainsi la mise en service du câble de Fontaine-Presqu'île à Saint-Martin-de-Vinou dès 2023. Oui, merci Monsieur le Président. Donc oui, avec beaucoup de plaisir que je vais présenter cette délibération. Donc c'est en fait en décembre 2017 que le comité, le SMTC, qui est maintenant le SMAG, a acté les principes du programme et du montage de l'opération de création d'une ligne de transport par câble intégrée au réseau de transport collectif urbain entre Fontaine et Saint-Martin-de-Vinou, au nord-ouest de la métropole. Le projet consiste à développer un mode de transport respectueux de l'environnement intégré au réseau de transport en commun de l'aire grenobloise. Les grands objectifs du projet, qui respectent les orientations du PDU approuvé par le SMTC le 7 novembre 2019, sont les suivants. L'amélioration de la desserte des polarités actuelles et futures du secteur nord-ouest en franchissant les obstacles grâce à une liaison fiable et rapide. Le maillage du réseau de transport collectif existant pour le rendre plus attractif que l'usage de la voiture individuelle. Le transport par câble est aujourd'hui identifié comme un maillon essentiel du réseau structurant de transport collectif au sein du schéma multimodal du PDU. Il permet de franchir de fortes discontinuités et coupures qui contraignent la mobilité dans le secteur nord-ouest de l'agglomération. Voie ferrée, RN 481, Isère, A480, DRAC. Il dessert des polarités importantes et en développement avec de grands projets d'aménagement tels que les zones d'aménagement concertées des portes du Vercors et de la Presqu'île. Les études de faisabilité ont montré que la solution câble était la plus adaptée pour répondre aux besoins de mobilité existants et futurs liés au développement du territoire nord-ouest, avec un tracé qui franchit les coupures existantes tout en reliant les grandes lignes structurantes du réseau de transport collectif. En effet, cette solution est apparue comme optimale en comparaison d'autres modes tels que bus, qui impliquaient des ouvrages de franchissement coûteux et complexes à insérer dans le territoire. Le montage de l'opération a été validé par le SMAC selon les modalités suivantes. Un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, un contrat de type marché public global de performance, incluant la maintenance sur une durée transitoire de 6 années. La prise en charge de l'exploitation par l'exploitant du réseau de transport en commun via des clauses à préciser dans le futur contrat. Par délibération du 14 décembre 2017, le SMTC a décidé de passer pour la réalisation du projet de transport par câble un marché global de performance incluant la conception, la réalisation et la maintenance et dont le régime est prévu dans le cadre du code de commande publique. Donc, procédure de négociation a été lancée par le SMTC en application des articles du Code de la commande publique et par un avis d'appel public en mai 2019 sur les journaux officiels et sur le site web. Cette consultation s'est déroulée en deux phases, une phase de sélection des candidatures et une phase de remise des offres intégrant la production d'un avant-projet avec négociation pour les candidats autorisés à y participer. Donc les dates limites étaient fixées au 21 juin 2019 à 12h. Trois groupements ont remis une candidature dans le délai et ont été admis par une décision du 5 juillet 2019. Ils ont été ensuite invités à remettre leur offre initiale au départ avant le 4 octobre et ça a été porté au 25 octobre 2019, puis ont été invités à une séance de négociation en décembre 2019. À l'issue de cette séance de négociation, des précisions ont été demandées aux candidats ainsi
qu'une note additive non contractuelle est non prise en compte dans l'analyse des offres concernant la faisabilité d'un déplacement du terminus de Saint-Martin-Vinoux sur une position jugée plus pertinente que celle figurant dans le programme de consultation, à l'issue d'une étude d'insertion urbaine et architecturale menée en lien avec la commune pendant l'été 2019. Donc, les trois soumissionnaires ont été invités à remettre leur offre finale au 13 janvier 2020, ce qui a été fait. Les critères retenus pour le jugement des offres ont été pondérés de la manière suivante. Coût global à 50% et exigence technique et performance 50%. Au vu de cette analyse multicritère réalisée par les services du SMAG, la commission d'appel d'offres réunie le 7 février 2020 a décidé d'attribuer le marché global de performance au groupement POMA, mandataire Avorep, groupe 6 et Gisrail, dont l'offre a été jugée économiquement la plus avantageuse pour un montant global et forfaitaire de 65 103 878 € hors taxes. Donc je vais vous inviter, on va présenter, on a eu l'autorisation de POMA de présenter une vidéo de démonstration qui est de démo qui a été faite avant la négociation est donc un petit peu différente du projet final, mais de très peu. Par contre, je rappelle le caractère confidentiel de cette vidéo et des éléments d'aujourd'hui, tant que le contrat n'est pas signé, puisque cela ne pourra se faire qu'après notre délibération. Donc, on est un petit peu en tournant rond. Voilà, donc c'est la présentation que je commenterai peut-être un petit peu au fur et à mesure pour dire les différences qui seront notées. Voilà donc le tracé du présenté. Maillage avec le tram, puisque ça c'est le côté important des différents points, des différentes stations. Alors l'aspect des stations qu'on voit ici sera différent. On en reparlera après. L'intérêt de l'axe central, il n'y a qu'un axe entre les deux, un quai central en fait entre les deux. Donc l'apparence des stations qui sera différente puisque la toiture sera végétalisée et toute la coiffe autour sera en rondin en pin. Je vous m'ai bien précisé. Voilà, parce que moi les rondins en pin, je connais pas. Les pylônes également seront, ce qu'on ne va pas voir cette vidéo, seront végétalisés. Alors l'axe central, le quai central qu'on a vu, c'est vraiment une innovation chez eux. Et c'est vrai que c'est très important pour le flux des passagers et particulièrement de tous les aspects, y compris PMR. Donc là, on avance sur le tracé que vous voyez en bas à droite. Et donc, les poteaux seront végétalisés. Là, c'est une cale de maintenance, donc il n'y aura pas de transfert de... Oui, il n'y a pas de... Je suis obligé de faire le son, c'est un peu dommage. J'ai pas fait tout. Ouais, ça je le sens. Donc là, passage au-dessus du drac autoroute avec les contraintes de tous les lignes haute tension entre autres, qui nécessitent des passages bien particuliers. Alors je pense qu'il y a les cabines qui vont arriver là. Alors les cabines, justement, sont plus grandes que les standards puisque c'est 12 passagers possibles et elles ont surtout la particularité d'être adaptables, c'est-à-dire que vous voyez que les sièges peuvent se modifier et elles permettent entre autres l'accès à... On est dans la cabine. C'est un accès pour les PMR, entre autres, qui a été très bien étudié, puisque ça permet le retournement des fauteuils dans la cabine,
ce que les autres ne pouvaient pas faire. Les fauteuils étaient obligés de rentrer en marche arrière. Voilà. Et il y aura sur le... Il y a une autre possibilité dans les cabines aussi, c'est de mettre des vélos. Et donc, il y aura une alternance de type de cabine, c'est-à-dire qu'on aura des cabines qu'avec des sièges ou peu de sièges, plus, le plus de sièges possible, et des cabines avec la possibilité de mettre deux ou plusieurs vélos dans les cabines. Voilà, donc là, sur la nuit, Auxor, on va bientôt arriver au bout. Et donc sur la dernière, on en a parlé dans la délibération, ça a été acté par le dernier comité de pilotage, c'est le déplacement de la dernière station par rapport au projet initial, avec, donc on l'a dit, une étude architecturale qui a été faite avec la commune et qui va permettre déjà d'avoir moins de hauteur de quai, parce qu'on était à une hauteur de quai de 11 mètres, si mes souvenirs sont bons, et maintenant, donc, ça, c'est là, c'est l'ancienne vue, donc ça sera, pas tout à, ça sera un petit peu décalé sur une... à droite, si on est en face, et qui est une placette en fait qui a été remise en état. Voilà, donc je pense qu'on arrivera, on va arriver au bout de cette vidéo. Non, pas tout à fait. Il y en a encore un petit peu. Hein, on peut l'arrêter peut-être parce que là on est arrivé. Oui, alors stockage des cabines aussi dans les voies, ça va permettre ça de mettre en route des cabines en fonction des besoins. C'est-à-dire que ça aussi c'est un plus Voilà, donc après cette présentation, eh ben, nous allons pouvoir vous proposer de délibérer et d'autoriser le président à signer ce marché global de performance qui porte sur la liaison par câble entre Fontaine et Saint-Martin-de-Vinon avec le groupement POMA, Groupe 6 et Gisrail, et tout document se rapportant à cette opération. Merci beaucoup. J'avais sous-estimé votre capacité à faire voix off de vidéo, madame la vice-présidente. C'était merveilleux. Monsieur Trovero. Et merci, Monsieur le Président. Oui, je ne vais pas faire comme mon collègue Benjamin Trucmé. Je peux demander qu'on refasse tout le débat et toutes les... Puisque là, on est parti pour jusqu'au réveillon. Mais on peut se féliciter que peu à peu, finalement, nous avancions toujours ce métro câble. On peut aussi se féliciter du fait que ce soit un groupe historique. Alors, je rappelle qu'il était implanté sur Fontaine, hein, qui a mal origine. Donc c'est un retour aux sources. Le groupe POMA et groupe 6 aussi, qu'on connaît très bien. Donc tant mieux s'ils ont été très bons, mais l'enjeu était taille pour eux, parce que ça aurait été quand même compliqué d'expliquer que le groupe historique issu d'une région ne soit pas en capacité d'être bon sur le marché concurrentiel. Donc tant mieux. Par contre, juste un point de vigilance. Un point de vigilance avec la vidéo. Tant mieux si elle est confidentielle, parce que des hauteurs d'immeubles, comme je viens de voir là, dans la vidéo, à 11 mètres, 12 étages, je ne sais combien... Si vous voulez mettre le feu dans une campagne municipale, si vous voulez mettre le feu actuellement dans le contexte, allez-y. Hein. Moi, je propose que cette vidéo ne soit pas diffusée rapidement, parce qu'elle n'engage que le groupe POMA et groupe 6, certes, mais ce n'est pas du tout les formes urbaines prévues. Non, mais je tiens à le préciser. Ce ne sont pas du tout les formes urbaines prévues sur les portes du Vercors. Et je rappelle qu'aujourd'hui, en l'état actuel de la réglementation, on ne peut pas dépasser les R plus 4. Alors, vigilance quand même. Parce que ça me fait un peu frémir, moi. Alors, la vidéo, elle est parfaite. C'est pas en cause, mais prudence quand même sur les formes urbaines et sur les hauteurs. Monsieur Replin. Oui, puisque Jean-Paul rappelle l'histoire, je voudrais quand même dire que Pauvre Gasqui a démarré son activité à Cessiné Parisé. Bon, aujourd'hui, sans le Pays-Bournais, c'est bien comme ça, non ? Monsieur Bray, allez-y de votre contribution. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Cécile Curté. Je voudrais juste apporter une précision, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on votait contre cette délibération. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas contre le transport par câble. Bien au contraire, on avait juste des doutes sur le tracé. Ce tracé, aujourd'hui, il est acté, on ne va pas revenir là-dessus, donc nous nous abstiendrons. Nous évoluons.
Bienvenue. Monsieur Ferrari. Oui, merci. Juste quelques mots pour là aussi, moi, me féliciter de l'aboutissement de ce projet. C'est un projet important pour le territoire métropolitain, bien sûr, pour finalement une façon d'aborder les dessertes sur des environnements complexes et de renouer avec une histoire et une tradition historique tout simplement de transport par câble. Et je dis bien transport par câble et je ne dis pas tout simplement outil qui peut être utilisé dans les stations de ski pour monter et descendre et tout simplement pour faire du ski. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la question du transport par câble, la capacité à pouvoir transporter nos concitoyens et des usagers par cet outil-là progresse de partout. Dans le monde, des grandes métropoles sont en train de se doter, de s'outiller de ce type de transport, parce qu'encore une fois, il y a des éléments qui sont liés tout simplement aux coûts qui sont absolument intéressants et puis qui permettent là aussi d'aller, je dirais, s'extirper d'environnements complexes, de traversées de rivières, de pentes, et qui permet là aussi tout simplement de mailler et de poser aussi les éléments de développement d'un futur territoire. Et c'est le cas notamment sur ce secteur-là. Nous avons le projet Port du Vercors, qui est un des projets d'aménagement important de la métropole pour les prochaines années. Et évidemment, cet outil-là est au cœur, tout simplement, de la dynamique. Alors oui, évidemment, Poma a été choisi parce que c'était l'offre la meilleure. C'est ainsi, c'est la règle des marchés. Et évidemment, encore plus, c'est encore plus compliqué pour les groupes locaux, puisqu'ils sont tellement attendus qu'ils doivent faire encore plus d'efforts pour être encore... évidemment, les meilleurs. Donc, c'est le cas. Nous savons que, en tout cas, ce groupe a une tradition assez remarquée de capacité à interconnecter les modes, et notamment tramway versus transport par câble. Il y a des expérimentations qui ont dépassé les expérimentations dans d'autres pays. Enfin, nous savons que c'est en Amérique du Sud, Poma est très largement l'acteur qui a transformé totalement une ville qui s'appelle Medellín en Colombie, puisque c'est ce qui a permis, encore une fois, d'interconnecter l'ensemble des modes, et notamment des lignes de tramway centrale, une ligne de tramway centrale qui permet de relier. Donc moi, je suis très satisfait, là aussi, puisque... La concertation préalable avait été menée, la concertation début de mandat, et a permis tout simplement d'aller au bout. Je suis aussi, j'ai été aussi très attentif à ce qui a pu être exprimé à un moment donné sur la nécessaire hiérarchisation des investissements sur ce territoire, qui était une des questions posées notamment par les associations type ADTC, qui était pertinent, il faut savoir l'entendre. Néanmoins, je crois que là, nous allons aussi donner à voir sur cette entrée de métropole un nouvel objet qui nous permet de renouer avec notre histoire d'innovation sur ce territoire. Et évidemment, moi, j'en suis très satisfait. Là aussi, ce qui a été dit a été fait. Monsieur Jambert. Ce sujet est un sujet ancien dont je me réjouis de voir la concrétisation. Avec une toute autre casquette, il y a 14-15 ans, le premier vice-président de la région m'avait demandé de mener des concertations sur la réalisation de transports par câble en milieu urbain ou périurbain. C'est une technologie qui est en œuvre, comme vient de le dire Christophe Ferrari, depuis un certain temps dans d'autres régions du monde. On a cité Medellín, mais on pourrait citer New York, on pourrait citer Constantine, on pourrait, Lisbonne, la Chine, enfin, c'est... Et tout donnait à penser à l'époque que la difficulté pour des entreprises dont les leaders mondiaux, Poma, mais aussi les autres, qu'ils soient suisses, autrichiens, la difficulté,
à vendre du transport par câble pour autre chose que la montagne dans les régions alpines. Et c'était quand même dommage. Et donc, on avait étudié à l'époque plusieurs tracés dans le Quasi-Vaudan qui se sont avérés non pertinents compte tenu de la configuration des points à desservir. Et à l'issue de cette mission, il y a une douzaine d'années, j'avais dit au vice-président de la région, Bernard Soulages, et j'avais dit au président de l'SMTC de l'époque, Marc Baïetto, la bonne solution, ça serait la presqu'île, parce qu'il faut franchir en ligne à peu près droite deux cours d'eau, deux autoroutes, une voie ferrée, et je me réjouis de voir se concrétiser ce projet, à la fois pour la reconnaissance de la pertinence du transport par câble en milieu urbain et pour la desserte de ce secteur qui aurait été très difficile par d'autres technologies. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Avant de passer au vote... Monsieur, nous sommes en séance et monsieur, vous ne pouvez pas prendre la parole pendant une séance délibérative. Je suis désolé et encore moins au moment de l'attribution d'un marché où vous avez candidaté. Et les élus ne peuvent pas subir de pression au moment où ils délibèrent sur un marché. Certains doivent avoir du mal à mesurer ce qu'est un marché public et une analyse. Qui s'est conclu, faut-il le dire et le rappeler, par une analyse tellement convergente que la commission d'appel d'offres a délibéré, si je ne m'abuse, n'en étant pas membre, à l'unanimité, constatant quelle était l'offre la plus avantageuse. Quelques mots pour rassurer d'abord Jean-Paul. Nous n'avons pas prévu dans le marché de confier à ce prestataire la réalisation des bâtiments ou formes urbaines ni des portes du Vercors, ni de la Presqu'île, ni même de Saint-Martin-le-Vinou. Le marché est un marché de conception et de réalisation pour le câble, l'outil de transport, et seulement pour l'outil de transport. Ceci étant dit, je pense que nous pouvons prendre là aussi non seulement conscience du chemin parcouru, mais surtout du rendez-vous que nous donnons. Et pour être bref, c'est deux rendez-vous que nous donnons. Nous nous sommes engagés à ce qu'il y ait un nouveau réseau de transport public à échéance de 2023 dans le territoire. C'est tout l'objet du plan de déplacement urbain de la métropole, le premier plan de déplacement urbain en vigueur dans ce territoire. La délibération suivante portera sur le bus à haut niveau de service. Celle-ci porte sur le câble, deux éléments essentiels du réseau cadencé et maillé que nous voulons préparer pour 2023. C'est une ambition qui est au moins aussi élevée que celle de la restructuration du réseau en 2014 et 2015, pour permettre à nos concitoyens de voyager mieux, plus librement, plus simplement et avec moins de ruptures de charge. Le câble est un maillon essentiel du réseau cadencé et maillé. Je ne reviendrai pas sur les propos que les uns et les autres ont eus et sur tout le chemin et l'historicité. Celui, par contre, d'un engagement en 2014 que nous avions pris devant les Grenoblois, puis dans le contrat de majorité métropolitaine, que de réaliser ce câble entre Fontaine, Presqu'île et Saint-Martin-le-Vinou. Nous y sommes. Je voudrais
ajouter un élément que je ne voudrais pas que nous sous-estimions. Dans les années 80, sous l'utile pression et exigence des citoyens, notre territoire a inventé le tramway accessible. Au-delà de la ligne, au-delà des bâtiments, au-delà de la fonction, avec quelque chose d'inédit dans la proposition que nous retenons, c'est peut-être l'invention du câble pleinement accessible pour les réseaux urbains que nous sommes en train de faire. Parce que si l'on peut regarder ce que d'autres ont fait, j'ai entendu Medellín, New York, il y a plein d'autres villes dont nous aurions pu parler. Aucune ne l'a fait avec un tel niveau d'intégration et d'accessibilité que la proposition aujourd'hui sur laquelle nous sommes invités à délibérer. Il y a quelques années, quand on a fait le tramway accessible, c'est devenu par la suite la norme partout en France. Je crois que l'invention du câble accessible deviendra une norme dans beaucoup d'endroits. Et c'est ce pas-là que nous faisons par le vote auquel vous êtes appelé. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Deux abstentions. La délibération est ainsi adoptée à l'unanimité. Délibération suivante. Bilan de la concertation préalable pour le projet de création de bus à haut niveau de service entre Grenoble et Montbonneau et la création du pôle d'échange Charméran à La Tronche. Monsieur Gimbert. Bien. Cette concertation résulte de délibérations qui ont été prises en 2019, il y a 9 mois. Cette concertation s'est déroulée avec toute une série de réunions, 71 contributions papier, 576 numériques, etc. Donc vous avez ici le tracé du BHNS et les variantes qui ont été soumises à concertation. Donc je vais partir de l'ouest de la ligne. Vous avez dans la presqu'île une variante qui est le prolongement de la ligne jusqu'à Oxford, c'est-à-dire jusqu'à la jonction à la fois avec le tramway et avec le câble que nous venons de voir, en continuant le long de la voie ferrée et en passant sous la voie ferrée au bout de la rue Tarz, si je ne fais pas erreur. Donc, ça suppose des travaux conséquents dont il faut vérifier la faisabilité, mais cette option, à la faveur très large de la concertation, et il vous est proposé de la retenir. Dans ce cadre-là, il est prévu de créer une nouvelle station de tram entre Cité Internationale et CE à Cambridge, puisque je crois qu'il y a un peu plus d'un kilomètre entre les deux stations de tram, et que à mi-chemin, au niveau du pont Savoya, il est prévu de créer une nouvelle station de tram dans un secteur qui s'est déjà fortement urbanisé et qui continue à fortement s'urbaniser. Voilà pour le côté presqu'île de manière très synthétique. Donc il y a un gabarit à vérifier, etc. Mais c'est ce qu'il est proposé de retenir sous réserve de la faisabilité dans des conditions raisonnables et la création d'une nouvelle station de tram. Ensuite, les variantes suivantes étaient proposées, c'est à Mélan. Donc à Mélan, vous voyez qu'il y a deux tracés possibles, l'un par l'arrêt Lebré, l'autre par l'arrêt Faculté, qui là recueille des avis extrêmement partagés au niveau de la concertation. Il vous est proposé à ce niveau-là de continuer la concertation. Vous n'avez pas de zoom sur ce secteur. Donc, on conserve les deux variantes à ce niveau-là et d'étudier les variantes d'insertion dans les deux cas avec site propre, site mixte, adaptation du plan de circulation pour avoir un arbitrage ultérieur sur ce secteur. Ensuite, on continue et
on a une question à vérifier pour, enfin, à retravailler entre Maupertuis et Montbonneau. Il faut que nous retravaillions le tracé, puisque on a quelques problèmes à résoudre à ce niveau-là, des problèmes qui ne sont pas insolubles. Je sais que les services ont continué à réfléchir aux solutions. Donc, mais pour l'instant, vous savez que c'est la ligne C1 actuellement. Cette ligne C1, nous allons la faire fonctionner au 1er septembre 2020 avec une fourche. Nous observerons ce que donnent les fréquentations pour faire évoluer. L'objectif, c'est bien de ne plus avoir de fourche à terme, mais nous avons quand même des études environnementales, un certain nombre de sujets qui peuvent prendre du temps. Il n'est pas garanti qu'au 1er septembre 2023, nous n'ayons pas encore la fourche, mais ce n'est pas un objectif de la garder. Voilà, est-ce que j'ai dit l'essentiel sur le BHNS ? Deuxième chose, le pôle d'échange de Charméran. Le pôle d'échange de Charméran, donc je rappelle qu'on ne peut pas faire circuler les piétons et les cycles sur l'actuel pont du tram, ni accrocher une passerelle à ce pont. Vous savez que les ingénieurs sont quand même toujours très prudents quand on veut accrocher une autre infrastructure à celle qu'ils ont conçue. Donc il s'agit bien d'avoir... Une des options était d'avoir un passage à niveau. Le résultat de la concertation est favorable à une station sur l'actuel pont du tram. Il y a, de la part des riverains et, en conséquence, de la commune de La Tronche, des réserves par rapport à cette option. Il est prévu de faire un travail, donc de retenir cette option d'arrêt sur le pont, et de faire un travail à la fois sur l'insertion urbaine et sur les impacts sonores du tram dans ce quartier. Je rappelle que le tram atteint ici, sur ce tronçon, sur le pont, la vitesse de 60 km/h, qui après le tronçon entre Saint-Égrève et le Fontanil, le tronçon sur lequel il circule à la vitesse la plus élevée. Avec une côte pour accéder sur le sommet du pont en pleine vitesse, et donc une forte accélération, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il faut donc chercher à minimiser les impacts sonores. À la fois, je pense que la limitation de l'accélération y contribuera. Il ne faut pas que les bruits de freinage viennent compenser, mais il y a la question aussi de... comment on peut arrêter. Donc tout un travail sera fait sur la limitation du bruit dans les différentes gammes de fréquences et sur l'insertion paysagère. Je veux dire, sur la concertation, je crois que je suis arrivé au bout de la présentation. Les préconisations, vous les avez en détail. Je ne vais pas tout vous relire, mais les principes du BHNS seront approfondis. Je ne vais pas tout vous relire. Simplement, voilà les options que la concertation, qu'on vous propose de retenir à l'issue de la concertation. Cependant, avant de terminer mon intervention, je vais, si le président le permet, changer de casquette et m'exprimer en tant que président de la communauté de communes du Grésivaudan sur un point. La commune de La Tronche est très attentive à ce que nous allons faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que les études d'insertion à la fois paysagère et sonore soient menées à bien et complètement. Mais en tant que président de la communauté du Grésivaudan, je voudrais dire un autre élément. La commune de La Tronche est une commune qui porte, pour l'agglomération grenobloise, mais aussi pour toute la région grenobloise, toute une série d'équipements qui ne lui rapportent aucune fiscalité par ailleurs, parce que quelquefois on accueille de grandes industries qui ont des vocations régionales, européennes ou mondiales, ça rapporte un peu plus de fiscalité. Mais là, la commune de La Tronche porte pour l'ensemble de la région grenobloise le CHU et tout ce qui tourne autour,
pourrais citer la fac de médecine. La commune de La Tronche porte nos outils de gestion des déchets, qu'il s'agisse de tri ou de valorisation énergétique. La commune de La Tronche porte pour l'ensemble de la région grenobloise le funérarium. La commune de La Tronche porte pour les communes voisines le cimetière. Pour une commune qui approche les 7000 habitants, cela fait beaucoup et je crois qu'il faut en tenir compte. Alors, on a eu de la part de l'élu de La Tronche qui était en comité de pilotage une interrogation, est-ce que ça va apporter moins de circulation dans les rues de La Tronche ? La voirie n'est pas de la compétence du syndicat, elle est de compétence métropolitaine. Et je ne dirai pas à la métro, ni à son vice-président, ni à son président, ce qu'il faut faire. Simplement, ce que je veux dire, c'est que s'il advenait que la métropole, dans l'étude de la polarité nord-est, limite au seul véhicule sanitaire l'accès direct de la Lune Verdun au boulevard de la Chantourne, en tant que président de la communauté de communes du Grésivaudan, je veux dire que ça serait parfaitement légitime, mais le choix appartient à la métropole. Voilà. Je fais cette intervention, je souhaite qu'elle reste au compte-rendu. Elle fait suite aux engagements indiqués des uns et des autres au comité de pilotage. Je tiens à ce qu'elle figure au compte-rendu en qualité de président du comité de pilotage. Message reçu, je crois, pour les services. Est-ce qu'il y a des interventions ? Eh bien, s'il n'y a pas d'intervention, je soumets aux voix cette délibération. Des oppositions, des abstentions, même plus d'abstention, on est perdu. Délibération adoptée. Non, mais je voulais vérifier que, à l'unanimité. Délibération suivante. Subvention à l'ADTC. Au vu de l'heure, est-ce qu'il y a des questions, des oppositions ? Des abstentions, délibération adoptée à l'unanimité. Deux abstentions. Super. Le reste pour. Délibération suivante qui mérite par contre un temps de présentation. Je cède la parole à Dominique Flandrin. Il s'agit de l'extension de métro vélo au territoire du Grésivaudan. Bien, donc depuis le 1er janvier, c'est le SMAG qui exploite le service donc du métro vélo en raison des transferts de compétences qui ont été opérés par Grenoble Métropole. L'exploitation en est réalisée par Cycléo dans le cadre du marché public conclu pour une durée de 4 ans au 1er janvier 2020. Et donc afin d'étendre une partie du service sur le territoire du Grésivaudan, il est proposé de réaliser un avenant à ce marché. Il est envisagé dans ce cadre de mettre en place des agences mobiles ou semi-mobiles à Pontcharrat, à Montbonneau-Saint-Martin et à Crôle. L'avenant comprend aussi l'aménagement et l'entretien d'un véhicule utilitaire supplémentaire pour approvisionner ces nouvelles agences. Pour ce qui est des animations, il s'agit de déployer le dispositif sur le Grésivaudan tout en restant dans la volumétrie initialement prévue au marché. L'avenant concerne aussi l'extension au Grésivaudan des volets consignes à vélo et contrôle d'accès de ces consignes collectives. Le marché initial est à tranches et comprend une partie forfaitaire et une partie accord cadre à bon de commande avec un maximum de 1 500 000 euros. Le montant financier de l'avenant est de 180 727,33 euros. Et donc, ceci fait passer le montant forfaitaire de la tranche ferme à 9 164 767,33 euros, soit une augmentation de 1,7%. Ce qui ne modifie pas l'économie générale du contrat. Merci bien pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des interventions, des oppositions, des abstentions ? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante. J'accélère un petit peu puisque
si je suis bien informé, nous sommes à la limite du quorum. Donc je vous propose d'accélérer un petit peu pour que nous puissions épuiser les délibérations et non pas les conseillers. Sur l'évolution de la grille tarifaire métro-vélo, en une phrase, Madame Flandin. Voilà. Il avait été donc demandé de faire éventuellement baisser la tarification jour découverte pour le VAE. Compte tenu du parc actuel et compte tenu de l'évolution possible avec, enfin probable avec le nouveau périmètre, on se propose de laisser cette tarification et de simplement mener une réflexion plus large pour modifier éventuellement le tarif en septembre. Pour ce qui est de la demande de proposer un tarif, un titre semaine pour les consignes, eh bien on agrée à cette demande avec la proposition d'un tarif semaine à 6 euros. Y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention. Et donc sur l'amendement qui vous a été distribué, qui concrètement vise à élargir l'étude tarifaire visant une modification tarifaire plus substantielle en septembre, l'amendement vise à ce qu'on élargisse cette étude aux vélos cargo en plus des vélos à assistance électrique. Est-ce que sur l'amendement, il y a des oppositions, des abstentions ? Amendement adopté à l'unanimité. Sur la délibération ainsi amendée, donc délibération lançant et l'étude pour un changement tarifaire au 1er septembre et la mise en œuvre d'un tarif consigne semaine dès le 1er mars 2020, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, au vu de l'heure, je vais le faire court, mais elle est pourtant d'importance. Elle est pourtant d'importance puisqu'il s'agit de délibérer le protocole d'accord que nous avons travaillé avec l'ensemble des actionnaires privés de la Semitag pour permettre que notre opérateur historique, celui que nos prédécesseurs ont créé quasiment en même temps que le SMTC, que notre opérateur historique puisse continuer son chemin en devenant une société publique locale. Non, une société publique locale qui permet à la fois de garantir la continuité professionnelle pour les 1400 ouvrières et ouvriers du service public, mais aussi de gagner en agilité et en cohérence. Agilité et en cohérence, puisque la société publique locale nous permet de modifier le périmètre et la substance du contrat régulièrement, nous permet d'embrasser le grand territoire plus facilement et d'imaginer la reprise en gestion publique des parkings, y compris les parkings de la métropole à l'issue du contrat avec la société d'économie mixte qui court jusqu'en 2023. C'est l'objet de cette délibération de constituer, notamment avec Transdev, un partenariat sous une autre forme. Depuis 40 ans, nous avons une société d'économie mixte avec la collectivité et un opérateur industriel. À travers cette délibération, les collectivités deviennent les seuls actionnaires de la société publique locale. Je veux ici remercier l'engagement historique de Transdev dans cette société et dire que le partenariat aura lieu sous une autre forme, à travers de l'assistance technique, mais permettra aux collectivités d'avoir une pleine maîtrise, une continuité et une agilité gagnées, et d'élargir la reprise en gestion publique des services de mobilité. Est-ce qu'il y a des interventions ? Monsieur Trovero. Oui, on ne peut qu'être satisfait de cette délibération qui passe aujourd'hui, parce que il n'y a pas que... Il n'y a pas que Transdev dans les actionnaires aussi, il y a aussi les autres, hein, parce qu'il faut, aussi leur reconnaître qu'ils ont été conciliants sur toutes les banques et aussi facilitateurs pour qu'on puisse arriver à ces conventions, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Hein. Mais en tous les cas, ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'au-delà de tout ce que vous dites, Monsieur le Président, auquel j'attache beaucoup d'importance, notamment... en relation avec les salariés, mais également l'image de la Semitag chez les usagers, parce que ça compte aussi beaucoup, cette image,
qui permet d'être aussi valorisé et perpétué hein, dans un contexte, puisque là, on part partons sur une centaine d'années au moins de vie de la SPL. Mais ce que je tenais à dire, surtout, c'est, et je crois que les communiqués, en tous les cas, s'y prêtent, ou ceux qui sont sortis, c'est de bien dire et faire entendre que ça s'est passé en très bonne harmonie, là, pour le coup, avec l'opérateur Transdev, parce que ce n'est pas une non-reconnaissance de leur savoir-faire, ce n'est pas une non-reconnaissance de tout ce qu'ils ont pu apporter à la CEMITAG, mais également à l'ancien SMTC en termes de qualité technique et d'apport technique dans différentes dimensions où sans eux, notamment sur les nouvelles technologies, on aurait été bien démunis. Donc ce n'est pas une non-reconnaissance de leur savoir-faire, de leur travail, mais c'est le fait que c'est un choix politique que nous assumons. Et dans ce choix politique que nous assumons, Transdev a très bien compris que les collectivités, légitimement, pouvaient dire « Oui, nous comptons reprendre en main le service public des transports et ce n'est pas une mince chose. » Merci. Est-ce qu'il y a deux interventions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Deux abstentions ? Délibération ainsi adoptée à l'unanimité, ce qui me permet de dire avec la plus grande des clartés qu'au-delà du protocole avec Transdev, qui s'est effectivement construit et traduit en bonne intelligence encore, et avec l'ensemble des actionnaires, dits petits actionnaires, avec qui le travail a été fourni depuis l'automne pour parvenir à cet accord, nous actons là aussi l'entrée de la métropole pour que la métropole puisse reprendre en gestion pleinement publique les parkings. La porte reste ouverte à toutes les collectivités qui souhaiteraient pouvoir intégrer la société publique locale que nous créons. Délibération suivante, il s'agit d'un avenant 10. Le vice-président en charge étant absent. Je vous présenterai l'avenant en une seule phrase. Il s'agit d'un avenant pour permettre l'acquisition de 45 autobus au gaz naturel véhicule. Il faut continuer l'action résolue de Jean-Claude Perrin pour la transition énergétique des bus. C'est en tout cas ce à quoi nous vous invitons à travers cette délibération. Est-ce qu'il y a des interventions ? Des oppositions ? Effectivement. Des abstentions ? Donc un NPPV en la personne de Jean-Paul Trovero et délibération adoptée à l'unanimité. On transmettra l'information au vice-président Jean-Claude Perrin, toujours pas démissionnaire, malgré ce que nous lisons dans la presse. Délibération suivante. Adhésion au club des villes et territoires cyclables. Madame Flandin. Oui, donc il s'agit donc de proposer d'adhérer pour un montant de 12 000 euros au club des villes et territoires cyclables, dont les objectifs sont de faire la promotion de l'usage du vélo au quotidien. Des interventions, des oppositions, des abstentions, adhésion à l'unanimité. La même chose sur l'adhésion au GART pour l'année 2020. Y a-t-il des interventions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité ? Délibération suivante, il s'agit de la création du comité des partenaires du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Est-ce qu'il y a des interventions, des oppositions, des abstentions ? Délibération adoptée à l'unanimité. Validation de l'avant-projet définitif pour le pôle d'échange de la bâtie. Monsieur Bray. Oui, donc c'est un pôle d'échange multimodal au niveau du demi-diffuseur de la bâtie sur les communes de Saint-Imier et Saint-Nazaire-les-Hêmes. Donc il s'agit de. Le but est de développer le covoiturage, nous l'avons évoqué précédemment, de faciliter l'usage des lignes de transport en commun, notamment l'Express 1. Et de faire en sorte que ce pôle multimodal soit accessible en mode doux. Donc, nous avons, il s'agit d'adopter l'AVP et le coût professionnel des travaux, qui est estimé donc à 2,4 millions hors taxe. Alors, ce montant, on était parti sur un projet de 1,9 million, mais le programme a évolué, ce qui explique cette évolution du prix. Qui entraîne également un avenant au marché de maîtrise d'œuvre, dont le montant définitif sera de 247 975 euros hors taxe. Est-ce qu'il y a des interventions ?
Les oppositions. Pardon. Monsieur Gimbert. Simplement pour dire que c'est comme la voie de covoiturage. Il faudra obtenir l'évolution de la réglementation et de la législation pour avoir les arrêts sur bretelle qui sont extrêmement importants pour le bon fonctionnement du pôle d'échange. Et méthodiquement, nous y parviendrons. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, il s'agit d'une acquisition pour étendre le parking de la halte ferroviaire Saint-Cassien. Est-ce qu'il y a des interventions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité. Extension de la ligne A, il s'agit de signer l'avenant 1 pour l'extension de la ligne à Pont-de-Clé. Y a-t-il des interventions ? Des oppositions ? Deux oppositions. Enfin. On est rassuré. Deux oppositions. Des abstentions. Pas d'NPPV. La délibération est ainsi adoptée. Délibération suivante. Restez éveillés. Protocole transactionnel avec la société Colas Rail. C'est aussi pour l'extension de la ligne A de Pont-de-Clé. Y a-t-il des oppositions ? Deux oppositions. Des abstentions ? La délibération est ainsi adoptée. Délibération suivante. Liaison piéton-cycle Interrive Croll Brignoux. Madame Flandin, en un mot. Il s'agit d'une des traversées de rive qui a fait l'objet pour lequel le Grésivaudan a été lauréat de l'appel à projet de fonds de mobilité active pour les discontinuités cyclables. Il y a eu un appel d'offres lancé le 19 décembre pour un montant prévisionnel des travaux estimé à 4 600 000 euros hors taxes, avec une tranche ferme et trois tranches optionnelles. Et donc, à l'issue de l'analyse des offres, la commission d'appel d'offres du SMAG a attribué le marché au groupement WSP Améthène pour un montant global de 324 880 euros hors taxe. Est-ce qu'il y a des interventions ? Merci. Des oppositions ? Des abstentions ? Délibération adoptée à l'unanimité ? Et c'est peut-être sur cette liaison que nous verrons circuler le premier véhicule autonome du territoire. Parce qu'il y a une option. Délibération suivante. Participation financière du SMAC dans la société du projet Parc à Watt. Société pour des ombrières sur les parkings. Un amendement vous a été distribué, un moment pour corriger notamment la convention qui est associée à la délibération. Est-ce que sur l'amendement, il y a des oppositions, des abstentions ? L'amendement adopté à l'unanimité. Sur la délibération ainsi amendée, des oppositions, des abstentions, une abstention. La délibération est ainsi adoptée. Chers collègues, avant que nous levions pleinement la séance, vous me permettrez juste quelques mots. Quelques mots pour vous remercier chacune et chacun pour le chemin parcouru. Il a été présent dans l'intégralité de nos débats. Le chemin parcouru, évidemment, depuis que cette responsabilité m'a été confiée en juin 2014. Le chemin parcouru qu'il a été aussi possible grâce à l'ambition de nos prédécesseurs, je veux le dire et le redire. Grâce à cet esprit pionnier qu'il y a dans le territoire et qui dépasse, je crois, les intercommunalités comme les sensibilités politiques. Je voudrais soulever aussi ou souligner le chemin parcouru par rapport aux engagements que nous avions pris lors de la constitution du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Dans cette séance, nous avons adopté le premier budget du syndicat. Et ce n'est que le premier. Nous avons engagé les études pour la seconde phase de régénération de la ligne Grenoble-Gap, créé le service public du covoiturage, fait le bilan de la concertation sur le bus à haut niveau de service pour être au rendez-vous en 2023, attribué le marché de conception et de réalisation du câble de Fontaine à Saint-Martin-le-Vinou pour qu'en 2023,
le service soit effectif. Élargis métro-vélo au Grésivaudan et à l'ensemble du territoire périurbain dès le mois de mars. Nous avons fait l'acte essentiel pour transformer la Semitag en société publique locale et permettre une plus grande évolutivité des services de mobilité dans le territoire. Nous n'avions pas attendu cette séance pour créer le titre Grand Grenoble qui n'était qu'une première étape et lors de cette séance, nous avons adopté le vœu pour une tarification unique à l'échelle du nouveau ressort territorial. Certains ont cru que les évolutions institutionnelles étaient juste faites pour le paysage. Je veux vous remercier chacune et chacun parce que nous avons fait la démonstration par le travail qui a été mené modestement, mais qui arrive aujourd'hui à conclusion que cette transformation, elle est faite pour rendre service aux usagers de tous les territoires et particulièrement de ceux des territoires périurbains. Je veux le dire et le redire. Pendant 40 ans, nos prédécesseurs ont permis que nous investissions massivement sur le transport urbain. Heureusement qu'ils ont eu l'audace et cette ambition, parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de tourner le regard et le cap vers le même effort d'investissement à faire vers les mobilités périurbaines à l'échelle du grand territoire. Au-delà du remerciement que je vous adresse encore une fois à chacune et à chacun, parce que si nous y sommes parvenus, c'est parce que nous avons joué en équipe et collectif. Je veux remercier aussi, en votre nom, l'ensemble des artisans et des artisanes du service public. Celles, évidemment, qui nous ont permis d'être au rendez-vous, qui ont accepté et qui ont assumé les délais que nous leur avons donnés. Parce que l'honneur du service public, c'est d'être agile, c'est de savoir s'adapter. Et je crois que ce soit ceux qui conduisent des bus, des cars ou des tramways, ceux qui préparent nos délibérations tarifaires, celles qui conçoivent nos marchés, ont encore une fois démontré ces 6 dernières années et particulièrement ces 6 derniers mois, combien les agents du service public, quel que soit leur statut, sont en capacité de se mettre au service du public dans la mission la plus noble qui soit. Au-delà d'elle et d'eux, je voudrais remercier aussi, en cette dernière séance, les services du syndicat mixte qui ont réalisé un travail de qualité pour nous permettre de délibérer et de nous transformer, particulièrement les directions de l'administration, le service des assemblées, aussi discret qu'efficace, la direction des moyens généraux, la direction des systèmes d'information, tous ces services qui, au-delà des services essentiels de mobilité, font que nous avons pu être au rendez-vous. Et j'espère que nous permettrons que la suite soit encore une transition qui permette d'aller plus loin et plus vite. Chers collègues, il est d'usage de dire ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je vous rends aujourd'hui cette phrase parce que je crois que nous pouvons la prendre en partage, autant ceux qui sollicitent un nouveau mandat que celles et ceux qui ont donné toute leur énergie avant de se retirer des fonctions électives pour que nous puissions offrir cette institution non pas à nos successeurs, mais aux usagers. Merci à tous.